Bonsoir, bonsoir, bonsoir les copains, comment ça va? Vous avez vu ce nouveau générique sur la chaîne? Un cadeau de mon Plémo d'amour que je remercie et que j'embrasse très très fort, qui a eu la gentillesse de créer ce générique Malenia. Franchement, quand il m'a dit, il faut que tu m'envoies une photo de toi parce que je suis en train de faire un montage avec Malenia, j'étais... Monsieur, oui, j'accepte, oui. Donc bref, vraiment des GG dans le chat pour notre Plémo parce que il a trop bien géré. J'adore ce nouveau générique. J'espère que vous aussi. Et je l'ai créé avec différentes musiques. Donc il y aura différentes musiques qui apparaîtront sur les prochains lives, mais je ne vous en dis pas plus. Voilà, c'est notre petite intro à nous. J'espère que vous allez bien, les copains. J'espère que vous avez la pêche. J'espère que vous êtes en forme. J'ai un peu froid, je vous le cache pas, je pense que les températures sont bien redescendues. Donc bien évidemment, je suis équipée. La bouillotte est sur les genoux. Les chats sont là. Donc pour le moment, on est plutôt tranquille parce qu'ils dorment. Mais je le sens, à un moment dans la soirée, il va y avoir une guerre avec Daryl ou avec Rick, je sais pas, mais on les connaît, ces loulous. J'espère que vous allez bien. Alors qui est là? Qui est là ce soir? Salut mon petit Gus qui m'a mis un message très tôt ce matin. Merci beaucoup. Comment tu vas mon petit Gus? Coucou mon Viking. Salut Guillaume. Salut mon Seb. Toujours au rendez-vous. Comment tu vas? Salut mon Seven. Salut Ersine. Je passerai te faire un coucou ce soir. Bon après-midi Sam. Merci beaucoup. Coucou mon Sly, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Mon petit Jarodo, bienvenue, comment ça va? Salut Adèle, j'espère que tu vas bien. Salut mon petit Urg. URG, il faut que j'arrive à me l'implémenter dans la tête, mais écoute, Urg, ça te va bien aussi, je trouve. Salut Nico, comment tu vas? Bienvenue. Salut mon Flo, salut mon John, comment ça va? J'espère que tu vas bien en Corse, que tout se passe bien pour toi. Salut mon JM. Comment ça va? J'espère que vous allez tous bien, les copains. Salut Geoffroy. Salut mon Youyou. Merci d'être là, la team Modo. Merci beaucoup mon Youyou. Comment tu vas? Quelle classe cette nouvelle intro. Je montrerai vos messages à Plémo. Je prends un petit screenshot pour le remercier, mais je suis très très touchée qu'il ait fait cette nouvelle intro. Ça change un peu, ça redonne un peu de dynamisme. C'est vrai que je vous mets toujours la même. Donc c'est bien d'avoir de nouvelles images qui tournent. Et en plus, il a intégré Mesmer, parce que quand il m'a dit qu'il le faisait, je sais, s'il te plaît, mets Mesmer, parce que Mesmer, c'est ma vie, ça y est. L'après Malenia, ça va être Mesmer, parce que je sens que Kay va venir récupérer son casque. Ça fait plus d'un an que je l'ai, je crois que j'ai atteint la limite de mon bail. Donc bon, normalement, on a le casque de Mesmer, que j'ai préco, qui doit arriver, mais... Bon, il ne l'a pas encore redemandé officiellement, mais il m'a fait entendre le message que oui, j'aimerais bien avoir mon casque. Oui, bah écoute, moi aussi, mais je ne l'ai pas payé, alors j'ai rien à dire. Coucou ma petite Marine, oui, ne te spoile pas. Pas de souci, c'est un jeu magnifique, découvre-le tranquillement. De ton côté, coucou mon petit Irbis, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Tu lances Elden Ring de ton côté? Allez. Allez, allez, il faut. Il faut. Coucou Sean, comment tu vas? Enfin, re, devrais-je dire re? Et oui, j'ai des choses à vous dire, les copains, j'ai des choses à vous dire. Un générique malignesque, absolument, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Qu'est-ce que j'ai pas encore salué? Salut mon Thierry, comment tu vas? Bienvenue. Salut mon petit Yann, bienvenue Maletti, comment tu vas? J'espère que tu te sens un petit peu mieux. J'espère que la santé revient. Oh, à la base, vous savez, je voulais streamer hier et j'ai pas pu streamer parce que j'étais dans des allergies. Mais toute la journée, vous savez, à me moucher. Genre, mon nez coulait, genre une fontaine, quoi. J'aurais mieux fait de mettre des cotons et et de rester comme ça. Mes yeux pleuraient et tout. J'étais, ok, c'est mort, hein, je vais pas pouvoir streamer. C'est pour ça qu'on stream ce soir. Oui, il y a un message de fidélité. J'arrive tout de suite. Salut, mon Kyriam, comment tu vas? Bienvenue, coucou ma Maudette, bienvenue, comment tu vas ma Maudette, j'espère que tu vas bien. Et oui, ma pauvre dame, un jour il fait chaud, un autre il fait froid. Franchement, c'est chiant, hein. J'aimerais bien que... Allez, là, installe-toi le printemps, quoi, qu'il fasse beau, qu'on soit bien, qu'on se chante au chaud, là, qu'on puisse... Parce que là, moi, j'ai rangé les manteaux, mais vu comme il fait froid, on va peut-être devoir les ressortir, hein, je ne sais pas. Hein.
Je ne sais pas. Salut Mister Steven, comment tu vas? Bienvenue, bienvenue. Salut mon Greg, My Elden Girl, comment tu vas? Je passe vite dire coucou car la Suisse joue ce soir. Joue à quoi? À part la neutralité? La Suisse participe à des compétitions sportives? Je le découvre. Merci mon Gus, merci beaucoup pour lui. Merci, merci. Merci mon Seb, je screenshot vos messages comme ça, je lui enverrai. Merci beaucoup. Salut Séraphiel, comment tu vas? Bienvenue. Ah, c'est horrible, Nico. Franchement, les allergies, je trouve c'est un truc, tu vois, tu te sens malade, mais tu n'es pas malade. Donc tu ne peux pas dire que tu es malade. Tu sais que c'est des allergies. Et moi, je ne suis pas allergique au pollen. Je suis allergique à mes bébés. C'est terrible, mais je suis allergique aux chats. Donc voilà. Merci Modette, merci beaucoup. Alors non, Judge, bien sûr que non, pas Mesmer, l'hypnotiseur, Mesmer, le dernier fils caché de Marika et Radagon. Vivement la suite du lore, laissez-moi vous le dire. Mon petit John, qui est Elden God depuis 8 mois, merci du fond du cœur, sois là jeudi soir pour notre soirée membre soutien. Quel plaisir de continuer à te suivre dans de perpétuelles chutes. Encore dans ce jeu. J'espère que le générique historique sera toujours de mise. Oui, il y sera. Promis. Merci, mon Jeanne. Merci pour ton soutien, sincèrement. 8 mois déjà, c'est énorme. Merci beaucoup du fond du cœur. Vous êtes des amours. Donc, oui, tant que j'y pense. Donc, les membres soutiens, les Elden Gods, on se donne rendez-vous. On se donne rendez-vous 1, 2, 3, jeudi soir à partir de 20h sur la chaîne. On va jouer ensemble et puis on fera un vocal aussi ensemble. On pourra papoter et tout et se raconter plein de choses. Donc soyez au rendez-vous. Et voilà, j'espère que vous serez nombreux. Et si vous voulez devenir Elden God, c'est le bouton rejoindre sur YouTube en fait. C'est l'abonnement en fait à la chaîne. Et c'est une fois par mois, on fait un live abonné tous ensemble. Voili voilou. Sexy, le coton dans le nez, on valide. Écoute, Maléty, franchement, c'est quand tu souffres, à un moment donné, tu t'en fous. Genre, c'est quand j'ai vraiment des migraines, bon, Dieu merci, c'est très très rare. J'adore, c'est avoir un truc qui me sert vraiment autour de la tête et j'ai un bandeau, donc un bandeau qui se porte normalement ici. Je le mets en mode ninja ici. Oh putain, tu sais, ça sert bien, ça sert bien la tête et du coup, ça fait du bien. Et bah ben là, tu vois, franchement, j'aurais dû hier faire le double coton. À un moment donné, on s'en fout. Salut Star Pilot, bonsoir Sam, j'ai découvert Elden Ring grâce à toi. Il y a quelques mois, je n'avais jamais touché un From Software avant. Ce jeu a changé ma vie de gamer. J'ai bientôt 41 ans. Quelle folie! Merci éternel à toi. Enfin, mais oh, tu peux pas savoir ce que ça me fait de lire ça. Attends, je screenshot ton message. Ça me touche énormément. Merci du fond du cœur de m'avoir fait confiance sur ce jeu. Et je suis mais trop heureuse que tu kiffes l'aventure parce que ben ouais, moi aussi Elden Ring, ça a changé ma vie de gameuse, hein, en toute honnêteté. C'est un jeu qui m'a fait lâcher tous les autres, tous les The Last of Us, tous les Assassin's Creed et tous les Final Fantasy du monde. Parce que voilà, c'est des aventures complètement différentes et ça me touche trop de savoir que j'arrive à vous le transmettre. Donc merci infiniment à toi. Salut mon Nico, comment tu vas? Longue vie au général Radahn. Oh, on en est loin de Radahn, on en est en tout début d'aventure là sur cette run. Donc il est loin encore, il est loin. Mais il va falloir qu'on aille le tuer. J'ai réussi à le first try, hein, sur mon autre run, donc je suis très très fière. J'aimerais bien réussir à faire ce genre d'exploit quand je suis en live, mais la vie veut que je n'y arrive pas en live. Mais bon, on sait jamais. On sait jamais. C'est chiant, Flo, les allergies. Hein. Non, non, non. Daryl ne respecte toujours rien ni personne, tu sais. Letty, membre depuis 8 mois. Je t'embrasse fort, ma Letty. Laure, Kesako. Letty, elle te démarre un From Software. Fighter, taper, sans. Le lore, elle en a rien à foutre. Elle me tue, cette femme. Mais c'est le meilleur GPS du monde sur ces jeux. Elle a tout mon respect. Elle a tout mon respect, même si je ne comprendrai jamais son non-amour du lore. Coucou Jérémy, comment tu vas? Attendez, Jérémy Weapon Art, Jérémy Weapon Art. Jérémy, j'ai un nouveau build. Donc si tu as des conseils à me donner, tu me les donnes, je t'écoute. Coucou Seb, comment tu vas? Bienvenue. Je taquine, évidemment, ne me banne pas. Pour l'inculte que je suis en lore, mais tu es imbannable. Voyons, tu le sais bien. Coucou Floris, comment tu vas?
Me souviens quand j'ai découvert Dark Souls avec Exerve et maintenant c'est au tour de Sam de faire découvrir, c'est cool. C'est fou, hein, c'est fou, c'est génial, je trouve, de vivre ça ensemble et puis de partager nos passions, quoi, c'est énorme. Salut Johan, comment tu vas? Bonne vidéo, merci beaucoup. Coucou ma petite Diana. Je regarde le live mais je serai pas sur le chat, je suis trop malade. Oh là là. On te fait des gros gros bisous ma petite Diana, repose-toi bien. Repose-toi bien, j'espère que tu as vite récupéré la santé. Effectivement, ces changements de temps, ça n'aide pas forcément à être en forme. C'est Raphaël, ça peut aller, merci. Elden Ring est mon premier FromSoft, comme beaucoup d'autres personnes, je pense. Comme quoi, ils ont bien fait de faire ce Elden Ring en monde ouvert. Parce qu'au final, ils se sont attirés une nouvelle clientèle, parce qu'on est des clients pour une entreprise à laquelle, je pense, ils ne s'attendaient pas. Les jeux sont passés de niche à mainstream, donc c'est énorme, quoi. C'est énorme. Donc, je suis très très contente de voir que Elden Ring nous a permis à tous, ben voilà, de pouvoir entrer dans leur monde. Donc, c'est très très cool. On va rentrer dans le jeu. On va rentrer dans le jeu. Alors, juste avant qu'on ne commence, j'ai fait une interview tout à l'heure avec l'un d'entre vous qui est dans le chat actuellement. C'est Sean, qui a une chaîne YouTube et une chaîne Twitch. Et on a fait une petite interview tout à l'heure où on discutait justement des Souls. Donc, je vous mettrai le lien aussi, un de mes modos. Je sais que mon Yuyu, il a l'habitude d'aller chercher les liens. La vidéo est sur Twitch pour le moment, mais je crois que Sean va l'importer également sur YouTube. Donc si vous voulez aller la voir, n'hésitez surtout pas. C'était un moment très sympa. Et puis c'est cool de rendre aussi à la commu comme ça, parce que vous me suivez et puis vous me soutenez à être sur la chaîne avec moi à tous les lives et puis à me soutenir, à me donner de la force, à me faire rire et tout. Donc bah, je suis ravie à mon tour bah, de pouvoir vous soutenir quand vous lancez vos chaînes YouTube ou quand vous avez ce genre de projet. Donc voilà, merci encore Sean de m'avoir invité sur ta chaîne et merci, merci à vous tous parce que je réalise que c'est un putain de truc d'avoir une putain de commu. Faut pas que je sois trop insultante. Dès le début, parce que je vais me faire strike par YouTube. Donc, je vais essayer de rester polie. Comment va la télé après la bagarre de Daryl? Écoute, Adèle, elle survit. Je vais te dire, les télés Samsung sont fortes. C'est ce qu'on va dire, parce que Daryl l'attaque. Hein, mais il attaque mon iMac, il attaque mon moniteur. Laissez tomber. Puis en plus, là, je n'ai qu'une idée en tête, je vous jure, c'est d'avoir un PC gamer. Ça me tourne à la tête, il va falloir que je regarde ça de plus près, mais vraiment ça me tourne à la tête. Il me faut un PC gamer, il faut que je teste tous les trucs là, les mods, la Reforge et tout d'Elden Ring, ça me. Ouh là 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 là. Ouais, les microbes sont coriaces maléties en ce moment, hein. C'est pas très très cool. Dépensez à Diana. Hein. Coucou mon fléchette, coucou, comment tu vas? Bienvenue à toi. Salut mon Titi, bienvenue aussi. Bienvenue à tous. Mon Jarodo, récemment, quelqu'un me disait, je ne joue pas Elden Ring pour le scénario quand on pense à l'énorme travail d'écriture et les recherches faites pour installer ce lore d'une richesse insoupçonnée. Absolument, tu te rends compte que les gens, la moitié des gens passent à côté sans même savoir en fait qu'il y a une histoire aussi profonde et aussi riche. C'est extraordinaire. Merci mon Youyou pour le partage, mais tu es le meilleur. Mon Jojo, merci pour ton super chat. Coucou Sam, j'espère que ça va mieux. Tu as vu, tu aurais un Souls-like en Italie. J'ai plus le nom en tête, j'espère que tes allergies se calmeront. Ah, mais mon Jojo. Alors, merci du fond du cœur. Des GG dans le chat, s'il vous plaît, pour notre Jojo. Quel Souls-like en Italie? C'est-à-dire, est-ce que tu es en train de me parler de Lies of P? Est-ce que tu es en train de me parler d'autre chose complètement? Dis-moi tout. Dis-moi tout. Mais c'est fait exprès. Après, mon Jarodo, tu vois, tu dis c'est déprimant pour les auteurs, mais c'est voulu. C'est voulu, c'est comme ça qu'ils pensent leur lore et il est environnemental et il faut aller le chercher, il faut lire les descriptions. Je pense qu'ils ont leur plaisir en fait dans ce partage, tu vois, un peu cryptique de l'histoire et nous on adore. Donc, ah. YouTube, les algorithmes sont immondes. Je sais pas, écoute, moi je trouve que ma chaîne grandit bien, c'est Raphaël honnêtement, donc je touche du bois. J'ai toujours ma commu qui est présente quand je stream. Vous êtes là avec moi, donc je sais pas. Ou alors est-ce que je ne suis pas touchée par un mauvais algorithme? Moi, en tout cas, je suis très très contente de comment ça se passe. Tu as la config sur les commentaires, mais attends les soldes. Oui, je vais attendre les soldes. Hein. Je vais attendre les soldes. De toute façon, c'est pas un achat que je vais faire maintenant, c'est un achat pour cet été. Question Steam Deck, est-ce que les mobs
tourne bien. Les mods Maletti, j'ai essayé d'installer Reforge sur la Steam Deck, j'ai jamais réussi. J'ai trouvé des vidéos YouTube qui l'expliquaient, mais ils avaient sauté une étape et puis moi, enfin, j'y connais rien. Donc il fallait vraiment bien expliquer toutes les étapes. Donc je suis jamais allée au bout de l'essai, donc je ne saurais pas te répondre. Je ne saurais pas te répondre. Quand je pense que j'ai laissé tomber Elden Ring parce que je le trouvais trop dur et que j'ai repris après avoir regardé tes vidéos, et j'en suis à 79 heures de jeu, je viens d'arriver en K-Elite. Bravo Thierry, bravo, bravo. Moi je le dis toujours, si moi je peux, vous le pouvez. Ici c'est la chaîne d'une joueuse lambda. Donc si j'y arrive, vous pouvez y arriver. Ça c'est sûr. Coucou Romain, comment tu vas? Entoria The Last Song Souls Like en Italie. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Attendez, je screenshot. Mais je screenshot beaucoup ce soir, décidément. Je screenshot. Alors. Ah, mais toi aussi, tu l'as vu, Letty? Il y a que moi qui l'ai pas vu. Ah, mais toi aussi, mon Plémo, merci. J'en profite pour te remercier publiquement pour ce magnifique, magnifique générique que tu m'as créé sur la chaîne. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Les copains ont adoré. Donc, merci infiniment. Des GG pour notre Plémo qui le mérite. Mais c'est quoi ce jeu-là? Vous me donnez envie d'aller regarder la bande-annonce, enfin le trailer qui est sorti, parce que je ne l'ai pas vu, ça ne me dit rien du tout. Coucou Jeff, comment tu vas? Bienvenue. Ta-ta-ta-ta-ta. Coucou princesse, comment ça va? Prête à me suivre dans la survivance, tu es un amour, merci beaucoup. J'y pense, mais si tu fais ton achat sur Top Achat, regarde l'émission fin du game de Exerve. Et quoi, ils ont un code, il me semble. Ah bah Flo. Exu est l'un de mes meilleurs amis, donc je vais juste l'appeler. Yo mec, t'as un code promo. Mais c'est gentil, merci beaucoup pour l'info. Certains leakers pour les jeux PS Plus d'avril croient au Père Noël. Pourquoi? Ils voient Lies of P arriver le mois prochain. Putain, j'ai tellement envie de le relancer. Ne parlons pas de Lies of P parce que je suis à deux doigts. Je suis à ça de le relancer. GG Playmo pour ton boss vaisselle. Ton boss vaisselle? Salut mon petit blip, comment tu vas? C'est qui le boss vaisselle? Oh mon dieu, j'ai regardé la vidéo de Playmo de. Si vous l'avez pas vu, où il montre bah, le mode de Dark Souls 3, la Arch Thrones. Je sais même pas comment ça se prononce, Arch Thrones. Oh mon dieu. Trop balèze le truc. Et ils ont mis des ennemis de Bloodborne dedans, vous savez, les horribles là, qui sont des humains, enfin humains, et qui d'un coup se transforment et ils ont la tête là qui part et tout. Bref. Une horreur. Ils sont à deux doigts de mettre les Winter Lanterns là-dedans. Je sais pas quel est le délire. Mais it's a big no. Non, il y avait plein d'ennemis. Il y avait des chevaliers du creuset, genre avec les ailes et tout. Enfin. Ah, c'était un truc de fou. Je sais même pas comment t'as réussi à tenir pour le faire. Bravo, franchement, à toi. Mais oui, tout le monde kiffe mon Playmo, tout le monde kiffe, merci infiniment. Merci beaucoup, Séraphiel, merci infiniment. Eh ben, le jeu s'appelle Enotria. Bah écoute, j'irai regarder ça. Coucou dame dame, bienvenue, bienvenue. Est-ce que j'ai salué tout le monde du coup? Oui, tu es le seul qui a raté la nouvelle intro. Est-ce que je vous remets le nouveau générique? Mais bon, ça dure 2 minutes. Je vous le mets en fin de live, comme ça vous oblige à rester jusqu'à la fin. Ce mode est très beau, les zones étaient magnifiques. Il y a vraiment un problème d'équilibrage, comme Playmo, il le répète dans sa vidéo. T'as des mobs, Letty, mais je te jure, aussi durs que des boss, quoi. Ils te font des dégâts, laisse tomber, moi je survivrai pas dedans. Enfin, ou alors ça s'adresse pas à moi. Hein. Peut-être que c'est des modes très 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 difficiles. Exprès pour les joueurs très expérimentés, mais c'est sûr que ça s'adresse pas à moi. Mais quand j'aurai du coup un PC, on pourra essayer de jouer avec les mods ensemble. Bref, j'ai trop hâte, je suis trop excitée. Avec Jean-Luc Mélenchon. J'ai pas vu sa blip. Salut Skicker, comment tu vas? Bienvenue sur le live. Bienvenue à tous les copains. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous arrivez sur la chaîne, parce que ça aide le référencement et ça suggère après la chaîne à plein d'autres gens, ce qui est fantastique. Alors pour rappel, on avait
Vous me dites pour le son si vous êtes bien, s'il est bon, si c'est trop fort, trop pas ou pas assez. Coucou mon Screddy. On avait la dernière fois, donc sur notre premier épisode de la run Mesmeralda, on avait simplement créé le build qui avait été imaginé par Playmo sur sa chaîne. Et on avait su suivi bah, toutes les étapes pour aller récupérer bah, tout ce qu'il nous fallait, le domaine magique, les armes, etc. Et là, à partir du coup d'aujourd'hui, on commence réellement du coup à explorer le jeu. Alors, on n'est pas du tout sur du speedrun, on n'est pas sur du. Oh putain, il est horrible le casque de prisonnier quand même. On est moche là. Moi, j'aime pas qu'on soit moche dans un jeu. Ça correspond pas avec ma personne. C'est top le son, Jeff. Ok, parfait. Mais Ah oui, on avait tué Margit du coup à la fin parce qu'on avait essayé le build rapidement. Alors je ne suis pas du tout à l'aise parce que rappelez-vous, on a fait un build magie. Je joue full corps à corps depuis, je sais pas, ma deuxième ou ma troisième run. Alors jouer magie, ça devient super dur parce qu'il faut se tenir à distance et tout. J'ai plus du tout l'habitude de le faire. Alors on va quand même continuer avec ce build, on va reprendre l'histoire depuis le début. Est-ce qu'on n'irait pas tenter la sentinelle, genre on se sent pousser des ailes? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on se sent genre direct en mode on tente la sentinelle du début? Faut peut-être que je prenne déjà un petit peu le build en main quand même. Hein. Faut que je prenne un peu le build en main. Parce qu'on avait... ça se pr... Attendez, on a 15 000... on va peut-être déjà prendre des niveaux en fait. Commençons par le commencement, on va prendre des niveaux. Mais ouais, donc on commence donc avec le build magie, mais si c'est trop compliqué, parce qu'on n'a pas l'habitude, on va switcher sur un build force foi. Ça sera plus simple, je pense, du coup, à gérer. Alors qu'est-ce qu'on monte? Qu'est-ce qu'on monte dans ce build? Donc c'est l'intelligence. Je dis qu'on monte l'endurance parce que être sans endurance dans ce jeu, c'est un peu balèze. Faudra monter l'esprit par contre, si on fait de la magie. Une bonne balade pour réviser, c'est pas mal. Ouais, on va faire ça, mon Plémo. Fonce direct. Irbis, il est en mode, allez, on y va. Nico joue au corps à corps avec juste un peu de magie défensive. Bah, j'aimerais faire ce build là comme il est actuellement. On va quand même tester le build magie. Attends, je me rappelle qu'on a domaine magique, on a la fronde. Et on a déjà fait notre fiole. Alors, c'est fiole, truc, domaine magique, après on attaque avec la. Ok, j'essaie de me rappeler. Salut Captain RGB, comment tu vas? Tu es sage? Oui, alors là tu risques réellement le ban. Alors on a en fait une inside joke avec le Captain RGB, que j'adore d'ailleurs, que je salue. C'est quoi, on n'a pas l'alarme mutatrice? En fait, à chaque fois que je le vois sur le live d'Exerve et vu que je suis modératrice chez Exou, le pauvre, je le banne. Pour 10 secondes. Hein. Mais il sait qu'ici ça pourrait être un ban définitif éventuellement. Ce qui serait vraiment pas sympa de la part. On va pas faire ça. Alors attendez, je bois ma fiole. Il faut que j'aille poser mon domaine magique. Alors attendez, je reprends. Faut que je pose le domaine où? Putain, bordel, on peut pas tenir. Il faut que je. Vite! Ok, on attend qu'il nous attaque ici pour qu'on lui fasse 35% de plus de dégâts. Pas une attaque L2R1 là? Est-ce que je me soigne? Est-ce que je me demande si au moindre coup je vais pas mourir en fait? Bah, je serais morte si je m'étais pas soignée. Merde, je me prends. Monsieur, respectez-moi. Pourquoi ça fait rien le L2? Ah si, L2R2. Dites-moi qu'on commence ce live sur un first try. Oh, ça annonce du bon. Ça annonce du bon. Et là, vous pouvez du coup avoir la confirmation que Playmo sait ce qu'il fait quand il nous fait des builds. Voilà. Atomiser ton truc là, là ton build. Et encore, je le maîtrise pas. Comme, je sais pas si vous avez vu. Ah, fallait appuyer en même temps et il me semble que tu avais dit il y avait un truc L2R1. Voilà, ça fait. Ok. Ok, et le L2.
Faut maintenir en fait le L2 et appuyer sur R2 ou appuyer sur R1. Okidoki. Alors, je propose qu'on tue tous les marchands dans cette run parce que telle est la vie. On va pas changer de nos habitudes. Je tuerai également quelques PNJ parce que je les aime pas. Et vous vous y ferez. Je sais, c'est dur pour vous d'accepter que je tue des PNJ, mais ainsi va la vie. On va déjà juste récupérer les mots pour aller appeler Blade. Merci pour les GG, merci beaucoup. C'est con hein, quand je fais des trucs comme ça et que Serville n'est pas là pour le voir. Alors. Oh, un peuple de nomades. Nous aussi, on est dans la madness. En plus, il nous dit qu'il nous apprécie. Mais il m'a déjà donné les mottes. Attendez, j'ai déjà récupéré les mottes ou pas? Ah, bien sûr, il y a ma grosse tête devant. Alors, les mottes. C'est celle-là? C'est pas geste de la main, c'est claquement de doigts. Hein, pour appeler. Non, je l'ai pas. Je vais pas le tuer tout de suite. C'est lui qui donne les mottes claquement de doigts. Hein. Je dis pas nimp. J'ai déjà. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut que j'aille dans les bois brumeux. Putain, on avait déjà ouvert tout ça en site de grâce. Mais qu'on est rapide. Attendez, on va aller à la ruine. Est-ce qu'il faut déjà voir Blade avant qu'il nous donne le truc? L2 R1 coup horizontal moins fort que le L2 R2 vertical mais situationnel. C'est beau. Qu'est-ce qui s'exprime bien notre Playmo. Sam, laisse les marchands tranquilles. Ma fléchette, ils vont tous mourir, je te le dis tout de suite. C'est exactement comme les autres katanas, comme l'outil ou la cendre d'une épée droite, je ne connais plus le nom. Je n'ai jamais utilisé de katana comme build. Merci mon Yann, merci beaucoup, merci pour les GG les copains. Ah ben, je m'attendais pas à ce qu'il tombe comme ça aussi vite, mais c'est un très bon build. On va peut-être garder ce build magie finalement. Qu'il pas calé, Martin. Si, il doit mourir. Pourquoi est-ce qu'il m'a pas donné le truc par contre? Salut Sergio, bienvenue, bienvenue. Il faut avoir entendu le hurlement. Merci Romain. C'est pour ça que j'ai toujours besoin de vous avec moi sur les lives, parce que avec nos connaissances en fait tous ensemble, on maîtrise cela, on maîtrise ce jeu. Ah, je vous jure, je suis tellement contente de streamer ce soir. J'étais vraiment vénère hier de pas pouvoir le faire. Ça m'a saoulée, mais bon, quand c'est la santé, il y avait vraiment pas le choix. Je vous jure, je pleurais, mais toute la journée, quoi. Les larmes coulaient. Oh, faut que je vous raconte mon date de samedi aussi. Et franchement, je commence à en avoir marre de Tinder. Enfin, ça saoule Tinder tout court, de toute manière. Mais j'en ai marre, en fait, d'accorder du temps à faire des dates. Parce que ça me fait... C'est du temps de stream en moins, en fait. Normalement, le samedi soir, je stream. Et là, quasi tous mes samedis, je les réserve à des dates. Et quand c'est du temps perdu... Oh, the fuck, dites-moi pas qu'il y a un énorme grésil derrière moi. Voilà, on l'a entendu. Vous l'avez entendu? Je l'ai entendu. J'allais récupérer l'objet qui est vers l'ours endormi, tant qu'on est là. Bonsoir, monsieur. Moi, je ne respecte pas. Je suis folle de faire ça. Parce que les grizzlies, je les fight pas d'habitude. Ils me font un peu peur. C'est pas un coffre... Non, c'est bon. Talisman de la hache. Donc ouais, j'en ai marre en fait de perdre du temps à faire des... Mais non, mais j'ai même pas besoin d'y aller parce que c'est bon. On a entendu, Blade, c'est bon, le Similou. J'en ai marre de perdre du temps à faire des dates, vraiment. Vraiment, vraiment. Merci Sly, pensez au pouce, merci beaucoup, c'est adorable. C'est adorable. Je rêverais qu'il fasse un jeu spécial pour Sam Elden Ring, la vengeance des marchands. Quelqu'un un jour créera peut-être ce mode. Va savoir. Ça peut arriver. Voilà. Alors, les hurlements des bois brumeux. Alors. En plus, quand vous avez Blade, vous pouvez aller récupérer rapidement. Vous pouvez aller récupérer du coup rapidement le croc de limier, qui est une des meilleures armes du jeu. Non, non, nous sommes très différents. Moi, je vais vous tuer, monsieur. Gardez-vous de causer du tort à mes semblables. Il me le dit.
Quiconque ose s'en prendre à nous n'est point de pitié. Tel est notre code. Ça fait de la peine. Bye for now. Bye forever. Le pauvre. Voilà. Adios. Voilà. Le petit âne qui s'enfuit. Regardez-le, le pauvre qui a peur. Mais non. Oh, il pleure. Ça, c'est triste, par contre. Regardez-le. Oh, ça fait de la peine. J'avoue. Ah, Playmo, il y a une différence sur DD2, là, le Dragon Dogma. Il a l'air... Non, moi, le fait de ne pas avoir d'endurance, en tant qu'asthmatique, je peux pas supporter ça dans un jeu. C'est beaucoup trop compliqué. Pas possible. Alors, on commence par aller chercher notre petit Blade. Quelle tristesse. Non. Mais genre, vous êtes tous les copains des marchands, quoi. Bande d'hypocrites. Ça dit que t'as fait chialer l'âne. Ça m'embête davantage. Je vais pas te mentir. Faire pleurer les animaux, ça m'amuse pas. Je tue pas les tortues, je tue pas les petits moutons. D'ailleurs, c'est trop drôle, les moutons dorés qu'on croise quand on est dans une zone de foudre. Mais par contre, tout le reste est tuable dans le jeu. C'est marrant, des fois, de tuer les PNJ, genre, ils s'y attendent pas. Et nous, on est cruels. Coucou, mon Greg, comment tu vas? Bienvenue. Pas moi, je les tue. Voilà, Letty. Letty, elle me comprend. She knows. Pas de pitié pour les marchands. Pas de pitié. T'as aucune pitié, chevalide. N'empêche, j'ai jamais osé tuer un marchand. Mais pourquoi tu récupères les perles? Franchement, c'est une question de praticité. C'est le mot praticité? Pratique, c'est une question de pratique. Non, praticité? J'ai un doute, vous me direz. Tu récupères les perles et après tu les emmènes aux deux... Oh putain. Tu les emmènes aux sisters jumelles, là. Les carcasses, et après tu as tous tes objets au même endroit, quoi. T'imagines quand tu dois te rappeler lequel vend... Elle est où la ruine? Hop. Lequel des marchands vend quel objet? Oh, c'est trop chaud. It's very enerving. Vaut mieux les tuer. Puis de toute façon, c'est un peuple condamné à mourir. Attendez, il y a Air France qui vient de m'écrire. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Qu'est-ce que vous me voulez, messieurs, dames? M'offrir un billet gratuit pour mes 40 ans? Faites. Voilà. Il est là-haut. Alors. Toc. Puis on dirait un serveur en plus, Blade. Genre, il nous répond. Schlack. Blade, c'est vraiment un PNJ que j'aime pas. Mais il va où? Il court, quoi? Kali sent you, did he? Kali is dead. Maybe to him you don't seem so strange. Mais je l'aime pas du tout, Blade. Même si son histoire est très triste. Voilà, Darry Will, c'est celui qui est dans la geôle du coup éternel, la géole. Letty, la géole. Qui vous donne le croc de limier. Darrowell is nothing in need of a fitting. Darrowell is in need of a fitting. Et ben on va aller chercher la géole qui se trouve tac juste là. Putain, ça se voit que j'ai fait 20 fois le jeu ou pas? Ne l'attaque pas, ça me laisse. Non, fléchette, le blade, je vais pas l'attaquer déjà parce qu'il pourrait me tuer. Soyons tout à fait honnêtes, je pense que là tu l'attaques là, il te tue, il a un rôle dans la quête de Rani, donc non. On va pas le tuer. Excusez-moi messieurs, j'ai très peu de temps à vous accorder. Nous avons un être à tuer, Schlack, qui se trouve dans cette géole. Je crois qu'en plus on n'est même pas réellement obligé de combattre. Je crois qu'on peut laisser Blade faire le fight. La vraie question, qui aimes-tu en PNJ? Millicent. J'adore la quête de Millicent. J'adore Rani, mais ce qui m'embête, c'est qu'on la voit pas en vrai, Rani. Je sais pas, je vais pas poser le domaine magique, il va le tuer, Blade.
C'est là qu'il me tue, moi. Nothing in this cell is no true justice. No. This is where it is. Oh! Vas-y, Blake, fais ton taf. Ah! Voilà. Oh, putain, il met des coups de merde. Genre, je suis arrivée, j'ai mis le coup final. Creux de limier, voilà, pour tous ceux qui veulent le creux de limier. Il est là. Parfait, ça c'est fait. Salut Malenia, comment tu vas? Donc ouais, en PNJ, je dirais, vous me direz vous aussi, tiens, dans le chat, qu'est-ce que vous aimez en PNJ? Millicent a une des plus belles quêtes. Rani, mais je voudrais la voir en vrai. Enfin, pas morte, quoi. Pas le corps tout cramé qu'on trouve en haut de la tour divine. Ah, right. Qu'est-ce qu'on aime en PNJ? Je déteste Néphililou. Je la trouve complètement inutile, cette meuf. Ah oui, pour une pierre de forge sombre, ça valait le coup. T'inquiète pas, on ira au nord de Raya Lucaria. Sayonara, cher ami. Alors, du coup, on doit tout fouiller là. On n'a rien fait au niveau de la péninsule larmoyante. On va commencer par là. Et puis on remontera sur la nécrolimbe. Sam, je suis sûre qu'elle adore Pat. Oh, Nico, je le déteste. C'est le premier que je tue. Jamais, jamais je n'ai fait une seule quête de Pat. Jamais, je déteste Pat. C'est pas possible. Les gens qui aiment Pat, je comprends pas. Alexander, ouais, il sert à rien en vrai, Plémo. Je veux dire, enfin, tu vois, il joue les guerriers, mais il se fight même pas. J'aime bien le petit, tu sais, le petit pot qui est à Jarbourg. Lui, il est mignon. Tu vois, celui à qui on parle. Irina, elle me dérange pas, mais elle sert à rien. Elle va mourir... dans quelques instants. Qu'est-ce qu'on rencontre? Après, j'aimais bien la petite... vous savez, la petite qui perd son collier, en fait, à Lurnia, en Lurnia, qui nous donne l'invitation pour aller au manoir du volcan. Comment s'appelle? Raya? Ria? Quelque chose comme ça. Elle, j'aime bien. Elle me fait de la peine. Elle a une histoire un peu triste. Enfin, ils ont tous des histoires tristes, hein, me direz-vous. Ils meurent tous au final. Moi, je fais que abréger les souffrances. Est-ce qu'il y a un seul PNJ qui survit, en vrai? Dans toutes les quêtes qu'il y a de PNJ, est-ce qu'il y en a un seul qui survit? Je veux dire, Iji meurt. Blade va mourir. Rani survit. En plus, on peut lui finir son... Tanis, elle est stylée de ouf, elle. Ouais, mais elle a pas une histoire très très longue, quoi. Mais j'aime bien l'avoir mangé Raikard à la fin. Ça me fait quelque chose. Après, je la tape, quand même. Alexander file le meilleur talisman du jeu, donc je l'aime bien. Ah bon, c'est quoi le meilleur talisman du jeu? Et par contre, j'aime bien le gros pot, vous savez, celui qui est en Kaelid, le gigantesque là, celui qui nous fait invoquer 3 combats et il faut les combattre les 3 d'affilée. Vous voyez de quel combat je parle? Lui, j'ai jamais compris qui il était. Est-ce que c'est le père d'Alexander? Qui est-il? Qui est cet énorme pot? Ça, j'aimerais bien savoir. Néphililou, ouais, c'est la guerrière Amazon, je l'aime pas. Vraiment, je crois que c'est Millicent, hein, Rani Millicent, Malenia, hein, qui l'emporte. Dialos. Ouais, Dialos qui devient un peu foufou, le pauvre, il sert pas à grand chose. J'aime bien. Bisous, mon sœur. Bisous, bisous. J'aime bien. J'aime beaucoup la quête de Gold Mask. Ah, le Gold Mask, je l'adore. Lui, je le tue pas, par exemple. Le Gold Mask, non. Ah, on le tue pas. Non, non, le Gold Mask est très très cool. J'adore le moment en fait où il comprend qu'il y a une couille dans l'ordre d'or, en fait dans le fondamentalisme, et qu'il se rend compte qu'en fait Marika elle a tout niqué. Parce que Marika est une vraie bitch hein, dans cette histoire. Les gens ne le voient pas parce que c'est une jolie blonde, mais c'est une vraie bitch. Oulala, oulala. Son fragment qui booste les cendres de 15%. Mais are you footing de ma gueule? Tu fais comment pour le récupérer? Faut faire sa quête? Ah bah attends, on va aller lui sauver les miches sur le chemin, là, du coup. Coucou Elwes, comment tu vas? Salut Messire Ludo. Coucou Jimmy, comment ça va? Bienvenue, bienvenue. Le masque d'or, mais faut 36 intelligence pour aller au bout de sa quête. Oh, crotte. Moi, je l'avais fait, de toute façon, parce que j'ai platiné le jeu. Et je crois que sa quête à lui, enfin, sa fin à lui est... Putain, il meurt en un coup. Bien, on est bien. Je déteste quand le truc il se... Quand le lock se met sur un autre monstre que celui que je voulais tuer.
Non, attends, s'il te plaît, j'ai envie de backstab. Laisse-moi backstabber lui, hein. Mais, monsieur. Monsieur, mourez, s'il vous plaît. Taisez-vous. Je peux prendre des niveaux, là. Vous me faites penser de temps en temps, s'il vous plaît, à prendre des niveaux parce que je vais oublier. Alors, ici, c'est pas ici qu'on récupère l'arme? Et Scoozie, c'est pas ici qu'elle arme la Morgenstein? Est-ce que je joue safe? Est-ce que je suis quelqu'un de safe? Normalement, non. Mais peut-être, peut-être que pour une fois... Oh, le pauvre. Le pauvre. Parce que trois yinches d'un coup, ça peut te tuer. Super, j'adore faire ça. Voilà. Bon, on tue tout, hein. Il y a Bok qui survit. Ah oui, Bok, il est mignon, mais pareil, sa quête. Est-ce qu'il y a une fin à la quête de Bok, en vrai? Quelle est la fin de la quête de Bok? Parce que je suis déjà allée dans la grotte où il faut aller tuer les semi-humains, c'est ça, hein? Pour récupérer son nécessaire de couture. Et après, je crois que j'ai jamais continué sa quête. Salut, Doudou! Hello, Sam, ça va? Je suis à 25 heures de jeu sur Dragon's Dogma 2. C'est sympa, mais il m'a fallu du temps pour m'y mettre dedans. Exer va pas tort dans son test, mais le jeu reste cool à faire. Alors, est-ce que ça te saoule, l'endurance ou pas? Et le fait de pas pouvoir faire les voyages, tu sais, la téléportation. Sauf si tu utilises les microtransactions, je crois. Ouais, bonsoir à tous ceux qui arrivent, les copains. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci Greg, on n'oublie pas le pouce et le partage sur les réseaux. Merci beaucoup. Oui, c'est là, on est d'accord. Bah alors, pourquoi est-ce que ça y était pas? C'est de l'autre côté? On dirait que là il y a un coffre ouvert. Oui, non, c'est pas là. Non, c'est peut-être pas cette carriole là, mais il me semblait que. Ah, mais j'avais peut-être déjà récupéré, je suis bête. On l'avait déjà récupéré, elle est là. La Morgenstern. On l'avait déjà. Alors là, c'est chaud parce que je crois que t'en tapes une, elle se lève toute. Regardez, non. Si, il y en a une là. Non, deux. Trois. Voilà, ouais, c'est ça le problème, c'est que. Elles font les trucs... Ah mais attendez, j'ai de la magie. Putain, mais j'oublie complètement que j'ai de la magie. Comment on fait pour... Ça, c'est... Ah! Une seule les a tués les trois. Mais c'est fabuleux. Mais c'est fabuleux, c'est bien. Attendez, je me remets du coup mon arme à deux mains. Voilà. Faut juste que je prenne mes marques pour utiliser le truc. Il te suit jusqu'à Lendel. Sérieux? Ah bah tu vois, ça je l'ai jamais fait. J'ai jamais fait. Sam, si tu... Non, je bégaye pas. Tous les marchands, tu vas être malheureuse le jour des soldes. Alors tu sauras, mon Thierry, que je déteste le shopping. Donc je ne serai pas malheureuse. Je déteste le shopping. Moi, mes vêtements, ils peuvent me durer 10 ans. J'ai des fringues qui ont 15 ans, voire 17 ans. Pour vous dire. Je les entretiens bien. Mais le shopping, c'est vraiment... Oh mon Dieu. La croix et la bannière quand je vais aller acheter les... Je déteste ça. Salut Ben, comment tu vas? Bienvenue, bienvenue. Tu as un choix à faire avec Bok. Ah, c'est quoi Flo? Bah si ça te dérange pas, parce que tu peux me spoiler la quête, hein, c'est pas grave. À deux doigts de mettre les modes faciles derrière les microtransactions si on fait pas gaffe. L'endurance sert pas à grand chose selon moi. Les voyages, bah faut utiliser les transpires que tu peux choper par-ci par-là. Dac. Mais c'est bien si vous kiffez. Et Jimmy aussi, c'est une version évoluée du premier. Ouais, c'est un peu ce que tout le monde dit, effectivement. J'ai recommencé une run avec leurs armes. Le fendoir est pas dégueu. Ok. Ok, Doki. Allez-y. Alors, attendez. On est in the péninsule. Il y a un marchand. Ben, on va déjà aller le tuer. On va faire les choses bien et on va prendre des niveaux. Est-ce que vous avez déjà fait gaffe si on prend des runes quand on tue un marchand ou pas? Trade again. Qu'est-ce qu'il a à vendre? Ah, clé lame de pierre, ça j'achète. Direct, et le reste, non. Bon.
comment est-ce que... Diantre. Les traductions, elles sont bien. J'ai pris des runes ou pas, vous avez vu? J'ai pas fait attention. Montée de niveau. Je crois qu'il y a un chevalier crépusculaire ici. Moi, je dis, on continue de monter un petit peu l'endurance. On reste sur l'enduit, c'est assez important. À un moment, Bok va te demander s'il est beau. Oh, ou s'il doit se réincarner. Si tu choisis la deuxième option, il ira voir chez Renala, qui pleure pour se réincarner en humain. Mais non! Oh, bye Séraphiel, merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup. Ah, Adèle, comme quoi, on gagne des sous. Est-ce qu'on est de nuit, là? Est-ce qu'on a le chevalier crépusculaire qui tourne? Non. Je sais pas si on a le level, par contre, pour celui-là. Je crois qu'il est un peu... il doit être un peu chaud. Non, tard dans la nuit. Eh ben, il est où? Pourquoi on l'a pas? Il n'apparaît que... Ah, si. Monsieur. Est-ce que je pose un domaine magique? Ah, mais attendez, est-ce que j'essaie de le tuer à la fronde? Je trouve ça super dangereux de... De lâcher mon arme à deux mains. Putain, ça dure. Par contre, c'est long à casquer. On va pas se mentir. Attendez, on va pas se. En plus, j'ai laissé les coups pourris équipés, je suis bon. C'est trop bizarre de fighter. Fighter magique. Aïe! Attendez, on va peut-être. Oh monsieur, laissez-moi me rééquiper à deux mains, s'il vous plaît. Un double fail, ça s'appelle. Écoutez, on aura de quoi se faire des nouveaux builds éventuellement. Il peut être tué par un bug. Ah bon? Oh, mais il n'y a rien de mieux que la technique de Plémo, là. De les attirer pour les faire tomber. C'est un truc de fou. Je me mets en lurk. Oui, mon fléchette, merci beaucoup. Merci, merci. Bonne modération. Mais oui, ils sont juste là pour la map, absolument, Jimmy. Absolutely. Ok, d'accord. Bon, bah là, on a fait notre taf, c'est bien. Ensuite, là ça c'est une tour, hein, ce me semble. Est-ce qu'on va au château direct ou est-ce qu'on explore déjà autour? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je dis on terminera par le château. Parce que la chimère Léonine qui y est, elle est pas non plus elle est pas non plus tendre. Mariko, tu t'es réveillée! Qu'est-ce que je fais? Bonjour mon fils! Bonjour. Ah, attention, un chat passe. Ça va? Dans 2 minutes, on va l'entendre miauler. Hein. Chris, tu vas streamer le jeu Souls-like en Italie? Eh Chris, tout le monde me le demande. Écoute, a priori... Il sort quand votre jeu? Du coup, le Enotria dont vous m'avez parlé. Donnez-moi la date de sortie, parce que oui, s'il sort pas vers le DLC... Ouais, bien sûr qu'on peut le streamer. Of course. Of course, mais faut que j'aille voir le trailer, du coup, parce que... Je ne l'ai pas vu, so far. Putain, j'ai été surprise par le yinche. Ah, monsieur, défendez-vous. Monsieur. Il y a la meute qui se ramène. Voilà. Mais ouais, si vous me donnez la date de sortie, ce serait le 21 août. Mais c'est pas le jeu chinois qui sort à cette date-là, Yu-Yu? Tu sais comment il s'appelle? Le... J'allais dire Wulong, c'est pas Wulong, c'est... l'autre, le jeu chinois super attendu. C'est en août aussi, c'est fin août. Comment il s'appelle? Donnez-moi le nom, s'il vous plaît, le nom. Wukong? Oui, c'est Wukong. Eh ben, il sort... Black Meat, c'est ça. Oui, Irby, c'est ça. Eh ben, ça sort pas. Salut, Simon! Black Meat, oui, c'est ça, les copains. Alors attendez, Enotria a été repoussé car à la base il devait sortir le 21 juin. Oh
Franchement, j'adore les voir tous avoir peur d'Elden Ring. D'un DLC, s'il vous plaît. Parce que pareil, l'extension de Final Fantasy XIV a été repoussée. C'est beau quand même. C'est beau, je trouve, d'avoir peur comme ça d'Elden Ring. Là, je crois qu'on va déjà traverser le pont. Ils ont repoussé la sortie quand même de l'extension de FF14. Est-ce que c'est pas sérieux? Moi, je trouve ça dingue. Hein. Mais j'ai l'impression du coup que Elden Ring a autant de pouvoir, enfin peut-être pas autant, mais qu'un GTA. Je veux dire, dans le sens où les autres studios se disent non, on décale notre sortie, on va se faire niquer par Elden Ring. Et ils ont absolument raison parce que tout le mois de juin, tout le mois de juillet, tout le mois d'août, tout le mois de septembre et tout le mois d'octobre ne seront occupés que par le DLC. Pour moi. Oh mon dieu, on va enfin rencontrer Mesmer. The beautiful Mesmer. Alors. Et quand même, le build de Plémo là en nécrolimbe, il fait le café comme tu dis tout. Il fait très bien le café. Qu'est-ce que tu fais, mon Rico? Qu'est-ce que tu fais, mon ange? Tu veux un bisou? Oui! Oui, tu veux un bisou? Attendez, à ce cause. Oh. Non, t'as sauté? Non, c'est bon? Pardon. Pardon, mon lapin! Alors. Continuons. Si, si, il veut un bisou. Oh, mais viens, viens là, mon grand canard. Viens, mon grand de merveille. Mouah. Dis bonjour au chat. Dis-leur abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné pour que maman puisse m'acheter de bonnes croquettes. Oui, il a eu peur, Ben, je pense. Rien qu'avec l'annonce des DLC, beaucoup de gens se sont mis à Elden Ring. Aussi, Simon, c'est vrai, il y en a plein qui ont pris Elden Ring, enfin qui s'y mettent parce qu'ils ont envie de le faire. Tu m'étonnes en même temps, quel trailer, quoi, ça envoie. Du rêve, tu veux descendre, mon amour? Touk. Non, il veut s'installer sur les genoux, je crois. Il veut s'installer là. Bon, écoutez, on va jouer avec un chat sur les genoux. C'est la difficulté sur la chaîne Samy et Chani. La difficulté supplémentaire à avoir des chats. Est-ce que vous m'entendez bien du coup? Parce que je suis un peu plus loin du micro. Hop, hop. Oh, il te dit coucou aussi, Letty. Mon chat en mode, mais c'est qui lui? Je veux voir Sam, pas de la concurrence. C'est horrible quand même. Pourquoi je suis allergique à mes animaux? C'est quand même fou. Quelle idée. Quelle idée d'être allergique à des merveilles. Est-ce qu'on se fait pas envahir ici? Est-ce qu'il n'y a pas une... Est-ce qu'il y a pas un fight? Ou je me trompe? Moi j'adore par contre les... J'adore les fights genre Anastasia. Quand elle nous envahit. Ou Vaik. Ça me fait kiffer. Alors. Le mausolée est en chasse. Il abrite dans son sein le demi-dieu sans âme. Moi, je me demande, honnêtement, il parle d'un enfant de Marika, mais est-ce qu'il parle du coup de Mélina? Il s'agit de votre enfant non désiré. Je pense pas que Mesmer était un enfant non désiré, par contre. Hein. Je pense que Mesmer, c'est juste un rebelle de la forêt, en fait. Il s'est retourné contre l'ordre d'or. En vrai, comme au final, Mikaela, c'est ce qu'il a fait aussi. Hein. Il s'est retourné contre l'ordre d'or. Au début, il était avec son père, il a tout appris. Et au final, il a dit « Attends, je peux mieux faire. » Attendez, on peut parler à Mélina. Prenons quelques infos de l'or. Je fais ça pour Letty, parce que vu que je sais qu'elle est modo ici, elle peut pas faire passer l'essai. Spoken echoes linger here. Words of Queen Marika, who vanished long ago. If you wish, I will share them with you. Vas-y, partage-nous les paroles de Marika. Puis, après votre mort, je vous rendrai ce qui naguère vous appartenait. Votre vie. Retournez dans l'entre-terre, guerroyez et brandissez le cercle d'Elden. Prouvez votre force face à la mort, guerrier de mon seigneur, seigneur Godfrey. C'est quand même une sacrée bitch hein, de nous emmener à faire ça. Oui, mon Rico. Putain, il y a un ronron là. Attendez, il y a de l'ASMR que vous loupez. Je sais pas si vous entendez. Il y a un ASMR de ouf. Tu sais, puis moi, je bouge mon setup pour vous faire ça, pour vous faire entendre de l'ASMR.
Non, je lis pas les mangas, Nico. Oui. Tac. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je sais pas à qui tu réponds, mon dame dame, mais je pense à quelqu'un d'autre peut-être. Et il y a mon chat qui est en train de se retourner depuis tout à l'heure, genre dans 25 000 positions différentes pour trouver la bonne pose. Coucou mon Elendil, coucou cher Sam, les modos et tous, comment tu vas? Letty, c'est ton moment genre. On la force la Letty. On l'oblige à découvrir l'histoire d'Elden Ring. Alors, il y a des ruines, juste là. Ah, mais on est pas loin des ruines de Sélène. Aussi, ce me semble. Je sais pas si c'est son vrai corps, là, ou si c'était son esprit, je sais plus. On est déjà... Pourquoi j'ai deux points sur la map? On va à celui-là, on va aux deux. Toc, toc. Ta-da-da. On va descendre par l'ascenseur. Et on est dans les ruines. Alors, les semi-humains, c'est quoi leur histoire à eux? C'était pas des albinoriques? Oh merde. La meuf, elle descend de torrent en mode oh ouais, c'est le moment. Se rendent. Oh non, c'est trop triste. Regardez-les, ils se rendent. Je me disais, c'est bizarre pourquoi la musique est redevenue la musique du... Oh non, ça me fait de la peine, là, par contre, de les tuer. On est d'accord, on les tue pas. Hein. On est d'accord, on les tue pas. Hein. Coucou, Ondine, comment tu vas? Ça va, mon Ludo? Écoute, j'ai fait pas mal d'allergies ces derniers temps. Là, ça va mieux. Donc, c'est cool. Oh non, ça fait vraiment trop de peine. Oh, non, ça fait trop de peine. Est-ce qu'il y a un truc où on doit descendre ici, du coup, ou pas? Parce qu'il y avait un objet... Oh, lui aussi! Oh non, regardez-les! Ça fait... Oh non, ça fait pas trop de peine. Oh, ça fait de la peine, quand même. Hein. Mais d'accord. Tu serais pas en live, tu les aurais tués. Achève-les. Greg, faut abréger leur souffrance, Flo. Non mais vous êtes sérieux, c'est vous qui depuis tout à l'heure me dites oh, non, 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 il faut pas tuer les PNJ. C'est peut-être le boss qui les oblige à combattre et tu les as libérés. Blip, très bien dit. Coucou Stalex, comment tu vas? Bienvenue, bienvenue. Oh coucou Maëlo. Hello, tu as attendu jeudi soir, on fait un live abonné. Hein. Ils savent que tu es plus fort. Oh, Ondine, bon courage pour le travail, tu finis à quelle heure? Bon courage à toi. Oh non, je les tue pas, ça me fait vraiment de la peine de les voir comme ça. Quelqu'un qui hisse le drapeau blanc, on peut pas le tuer. Ça se fait pas normalement. Ça se fait pas. Et vous conviendrez que les marchands ne hissent pas le drapeau blanc et que les marchands d'ailleurs, enfin ils sont plus dans le... Ils sont dans l'affrontement parce que notre Calais nous dit quand même « Oui, vous pouvez pas nous taper, si vous nous tapez, on se vengera tous. » Donc je crois qu'il n'y a pas de truc, hein. Je crois qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc souterrain ici. Hein. Ce me semble. Par contre, je serais très curieuse, genre, si tu vas t'asseoir à un site de grâce et tu reviens. Ils sont toujours comme ça, en mode, ils attaquent pas ou... Je sais pas. Je sais pas. Bon, en tout cas, on a fait les ruines, on a récupéré ce qu'on avait à récupérer. On va descendre là. Vers ce petit lot de pierres. Et pourquoi je suis descendue de Torrento? Coucou Akinawa, comment tu vas? Bienvenue. Welcome, welcome. Coucou Sam, de la part du trio Gaëtan, Adrien et Eve. Coucou Gaëtan, Adrien et Eve, comment ça va? Bienvenue sur le live. De 8 heures de boulot par jour, parfois on en fait 15. Wouah. Là, c'est chaud quand même. Là, c'est très chaud quand même. C'est... Attendez, pourquoi j'arrive vers...
Scusi. Scusi. Attendez, c'est quoi cette... C'est quoi cette frontière qui se dresse entre nous? Y a-t-il un mur comme ça? Un mur comme si on était Mexico qui essayons d'entrer aux États-Unis? La blague géopolitique. Oh! Bah tiens, pas prévu. Allez-y. Let's go. Bon, j'ai mon chat sur les genoux, je vous jure, je suis pas dans, dans la meilleure des positions. Ouh, il y avait un truc. Mais ça veut dire mourir ou il y a un machin pour redescendre? Je sais pas. On va voir. On remonte. Il doit y avoir une pierre de forge 2. Pierre de forge 1. Faudra que je regarde. Ah merde, on meurt forcément, non? Non, non, il y avait un chemin. C'était de l'autre côté. La chute inutile! Coucou ma petite Claire, comment tu vas? Bienvenue sur le live, comment ça va? Alors cette reprise du travail, oh mon dieu, j'avais pas vu que c'était Radagon ici. J'adore Radagon. On va aller là, parce que ça sera plus proche quand même. Mais j'ai même pas pris le site de grâce et aucun de vous ne me l'a dit, les amis. Je suis morte sans prendre le site de grâce. Non mais, qui fait ça? Qui fait ça? Que moi. Il y a que de la forge 1. D'accord. Attendez, on va aller récupérer. Money, money, money. Give me money. Da 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 da. Allez, zou. Allez, zou. Zou. Putain, qu'est-ce qu'on est bien sur Elden Ring quand même. Y'a pas à dire. Le vendeur de chez Micromania m'avait dit qu'il n'avait pas réussi à y jouer. Ta-ta-ta. Merci mon Yuchi pour le retweet. Attendez, il y a le village d'aimant. Là, je vais commencer à me perdre. Là, si je vais au village d'aimant, c'est un coup à perdre les runes qu'on a laissées là-bas. Je vous dis ça tout en m'enfonçant bien comme il faut dans le village d'aimant, tu sais. Bonjour messieurs, dames, excusez-moi, je ne fais que passer, pardon. Pardon, Scusi. Scusi, c'est une erreur. Je sais pas par où je suis passée, mais de toute évidence, c'était pas le bon chemin. Mais en même temps, si je me perdais pas dans le jeu, vous vous ennuyeriez. Me trompe-je. Alors, attendez, par où je peux descendre là, parce que... Oh non, je déteste descendre sur ces trucs-là, moi je meurs à chaque fois. Là, il y a des harpies. Pourquoi je fais ça? Oh, c'était risqué. Oh non. J'ai eu beaucoup de chance. Est-ce qu'au moins je suis au bon endroit? Pas du tout. Je suis pas tombée du bon côté. Coucou mon Benoum, le streamer de la nuit, comment tu vas? J'espère que tu vas bien mon béni. Attendez, un lys de Trina, ça ne se refuse pas. Tac. J'ai hâte qu'on rencontre Sainte Trina. Putain, je suis tellement excitée par le DLC. Je crois que c'est le truc qui m'excite le plus. Oh, je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça alors que j'ai le voyage de mes 40 ans qui arrive. C'est horrible. C'est horrible de dire ça. Bon, alors, c'était par là. Ah, ça y est, Riku est descendu. Ah, je peux me replacer. It's me, Mario. Juste pour le plaisir. On avait utilisé ça tout à l'heure? Me trompe-je? Non, pas du tout, c'est là, c'était au fond. C'était au fond. Bon, cette fois, on prend déjà le site de grâce avant de faire quoi que ce soit d'autre. On est d'accord. Tu vas continuer Alone in the Dark? Oui, moi, Akinawa, mais seul. Pas en stream, parce que ça ferait trop,
ça ferait trop de streams différents sur la chaîne. Le Benoub est de retour seul, mais il va bien. Seul? Pourquoi tu dis seul? Tu es de la même année que Raph alors? Oui, mais je serai forever plus jeune que Raph parce que lui, il a déjà eu ses 40 ans et moi non. Mais oui, on est tous les deux de 84. Il n'y a pas un ours assassin par là? On va espérer que non. Parce qu'on ne veut pas d'ours assassin du tout. Non, 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 non. Re, mon RGB. Re, re, re. Aizu. Ah ah, on saute pas sur les hommes comme ça. Ce sont les hommes qui nous sautent dessus. Après avoir reçu notre consentement. Je précise. Bon, est-ce que je vous raconte mon date de samedi, du coup? Parce que vous savez que c'est la chaîne de Tinder, ici. Attendez, attendez, madame. Wouh! Bon courage, Ondine. Bon courage, on pense fort à toi. Bon courage pour le travail. Et repasse nous voir si jamais t'as une autre pause, qu'on te redonne un peu de courage. Gros gros bisous à toi. Célibat très cher. Célibat très cher. Mais non, c'est pas vrai. Tu t'es séparé de ta copine. J'avais vu une jolie photo de vous passer sur Insta. Oh, je suis désolée. Mais mon amour est pour Metal Gear Solid. Quel mauvais choix quand Elden Ring existe, voyons. Quel mauvais choix. Alors, zou. Oh, je suis désolée. Tu me fais rire avec Tinder. Bah écoute, malheureusement, c'est un moyen de rencontre. Fais-toi plaisir, ça me raconte si tu le souhaites. Ah ben non, mais que si ça vous intéresse. Sinon on parle d'Elden Ring et de... On parle d'Elden Ring et du lore et de notre armure absolument dégueulasse. Est-ce qu'on n'a pas un autre... Est-ce qu'on a pas... Non, merde. Parce qu'il est vraiment moche. Putain, on a rien en tenue, on a... Il va falloir qu'on aille farmer une tenue, hein. Il va falloir qu'on aille tuer des... Mais je déteste la tenue des chevaliers de Godric, par contre, les soldats de Godric. Je la trouve très très moche. Vous allez voir que c'est celle-là qui va trouver en premier ici. J'adore quand ça se passe comme ça. Hop. Une rune dorée. Putain, il est vraiment bien son build, hein. Sérieux. Sérieux, saut. Attends. Ça, c'est un truc vivant ou c'est un truc mort? C'est un truc mort. Attendez. Il faut qu'on... Tuez-les tous. Alors, donc, on redescend. J'ai décidé, du coup, pour m'aider un petit peu là, au niveau des streams, vu que c'est toujours très très dur pour moi le lendemain de travailler à... Je croyais que ça allait me taper. De travailler à 7h30, que les lendemains de stream, finalement, maintenant, je vais travailler à 9h, parce que je peux choisir mes horaires. Je vais commencer à 9h et finir plus tard. Je finirai à 17h30. Mais histoire que je puisse quand même dormir un peu le matin, vu que j'arrive pas à m'endormir avant 2h. Je pense que ça m'aidera quand même, comme ça, pouvoir faire plus de streaming. RGB, j'ai pas envoyé le message. J'ai pas envoyé. Flo, vas-y, tu me dis oui. L'édition physique avec Elden Ring et le DLC est en préco à 60€. Où donc, à Kinawa? C'est un bon prix, ça. Et vous avez 10% que sur le DLC pour ceux qui veulent uniquement acheter le DLC, la version PC. Sur Games Planet, je vous ai mis le lien dans la description. Oulala, il y a du monde ici, attendez. Il y a du monde. J'espère que les filles là-bas n'ont pas... Non, c'est bon. Tac. Mais c'est quoi ce build de fou là, hein? En un coup. J'adore comme elle se laisse rouler, tu sais. Soigne-toi, en fait, il y a des attaques à distance.
C'est la main. Super. J'adore les fails. Ok. La pierre, forge 1. Arteria qui a déjà utilisé ça en vrai. Dans un build. Jamais. Je t'imagine attraper le mec par l'oreille et hop, ça dégage. Non. Quand même, hein. Quand même. Ouais, on se relève, mais ça fait mal aussi quand même. Surtout quand il y a eu des sentiments. Si t'as développé des sentiments, mon Benoub, je comprends que ce soit pas. Que ce soit pas facile. Hein. Donc soutien, 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 soutien à toi. Oui, une pierre de forge sombre. Je vous dis ça, je sais absolument pas de quelle pierre j'ai besoin pour cette arme. On est déjà au boss. J'ai encore deux fioles. Alors, attendez. Attendez, j'essaye de me rappeler. Je me mets là. Donc ça. Ça. Et on pose le domaine magique quand on rentre. Et je reprends ma bonne arme. Je suis pas du tout sur la bonne arme. Mais attendez, on n'est pas sur le bon truc là. Pêche-toi, en plus, je sais même plus qui était le boss ici. Mais au final, j'ai pas récupéré mes runes. Faut qu'on aille les récupérer, hein. Attendez, attendez, on n'a pas récupéré les runes. On peut pas retourner aussi de grâce, si on peut. Non, mais regardez, elles sont devant. On les a même pas récupérées. Pas fâché d'avoir fait Marika pour mon perso, elle a tellement foutu la merde que je prends plus de plaisir à mourir. Comment ça, t'as fait Marika pour ton perso? En physique, tu veux dire? Oui, oui, non, mais là, on fait beaucoup de dégâts, mais c'est le build. C'est le build de Plémo, hein, qui est excellent comme ça. Letty s'est très bien dit, ce n'est pas la durée de la relation qui compte, mais son intensité. Et ça, c'est une vérité, copine. Tu peux être mariée pendant 20 ans, je pense, avec quelqu'un, et ne pas réellement aimer. Est-ce que c'était là? Oui, c'est là. Ça, je suis d'accord avec... Je suis d'accord avec notre Letty. Et de toute façon, en fait, quelle que soit la durée de la relation, les sentiments se respectent. Hein. Si t'es triste et si t'es malheureux, c'est quand même quelque chose que tu ressens, qui est réel, qui est là, qui est en toi. Donc que ça fasse un jour ou 20 ans, ça change rien. Je viens d'avoir une pub pour des Potato Pops. C'est quoi des Potato Pops? C'est quoi ça? Des chips? Attention, ça m'intéresse, j'ai envie de voir mes propres pubs du coup. Salut Lucas, comment tu vas? Wouh! Sorry, it was a mistook, il fallait que je reprenne le... Voilà, faut qu'on prenne un niveau aussi. Salut Joker! Mais elle a craqué son slip. Oui, c'était un peu trop facile, Malenia. On va pas se cacher que là, on est un petit peu... Je pense que la chimère Léoline, ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer. Bon, je vous raconte mon date. Je vous raconte mon date. On a fait ça. Ah, vous me direz, il y a un arbre mineur là. Donc, il y a un avatar putride ou un avatar tout court. Ça, c'est fait. On l'a fait? Non, le village dément, on l'a pas fait du coup. Attendez. Le village dément. Et après, on va faire l'avatar. Là, on roule un peu, effectivement. On est un petit peu au level pour... Mais bon, on va pas aller en Kaelid. On va pas aller en Kaelid. On est obligé de... Est-ce qu'il faut qu'on monte ou pas? On est trop près. On monte. Toc. J'adore ces sauts de ouf qu'on fait. Attendez, attendez, je cherche. Mais je peux toujours pas ouvrir ma carte. Voilà. Donc je voulais traverser de l'autre côté. Bah, j'aurais juste pu... juste en traversant ou le village va être en bas? Où est le village dément? Where is le village? Parce que, ouais, mon sens de l'orientation. Monsieur, toi, on t'a déjà tué. Je me rappelle, ma toute première run Elden Ring, ça me choquait le fait de devoir
À chaque fois, vous savez, qu'on se pose en fait à un site de grâce et que tout le monde réapparaît, je comprenais pas pourquoi. J'étais, mais à quoi ça sert de les tuer? Ils reviennent tous tout le temps en fait, ça s'arrête jamais. Super, je viens de faire un tour pour rien. Mais attendez, là-bas au fond, c'est le truc. Il est où ce village dément? Il est derrière la barrière? Comment on y a accédé tout à l'heure? Bon, écoutez, on retombera dessus par hasard. On va aller là, et pour ça, on va aller ici. Voilà. Comme quoi, le temps ne fait pas la qualité. Bah non, Ben. Combien t'as de gens qui sont en couple alors qu'ils sont malheureux comme les pierres? Et qui ne s'aiment pas. Mais qui restent en couple. C'est une tristesse. Il y a le modèle Lady Maria. C'est pas vrai! Putain, elle va kiffer. C'est quelle affinité sur ton arme? Y a pas d'affinité. Hein. Merde, je l'ai enlevé. Et stock. Non, y a rien. Y a pas d'affinité là. Aucun effet passif. Aucun effet passif. Voilà, voilà. Alors. Attendez, j'ai pas pris la bonne arme. C'est quoi mon arme? Putain, c'est l'éclipse lunaire. Je vous disais, c'est bizarre qu'il soit pas mort direct. Merci Romain. J'ai tilté quand même, j'ai tilté qu'il y avait une couille. Alors, voilà, donc tout droit. L'arbre est devant nous. Je sais pas s'il y a un avatar ici en vrai, hein, je me rappelle pas du tout. Moi, je les trouve durs, les avatars à tuer, personnellement. Donc, ça mettra peut-être un peu de piment dans ce live. Oui, il y a un avatar. Alors. Je me suis un peu excitée. Je vais pas mettre le domaine magique, parce qu'en vrai, ça sert à rien. On bouge trop, je trouve, face à lui. Super, fail. J'ai encore les coucouris d'équipés. Ah non, j'ai roulé. Je détestais cette attaque. Ah non, j'étais en train de boire. I was drinking. We are coming back. Right away. We are coming back. Aimer, c'est apporter de la confiance en l'autre, être bienveillant et des fois faire passer les besoins de l'autre avant les siens. Absolument. Alors, du coup, j'étais en date samedi soir, mais comme quasiment tous les samedis soirs hein, en ce moment. Et. Ah, mais trop bien, il y avait une effigie. Putain, quel jeu extraordinaire. Ouais. Alors, attendez. C'est ça. Merde, j'aurais dû déséquiper les petits couteaux. Est-ce qu'on pose le domaine magique? Soyons fous. Le truc, c'est qu'on va jamais rester dedans. Voilà. Wouhou! Et mais moi, le... Ouh. Je pense qu'il faut que je me soigne à chaque coup, non? Vous croyez pas? Parce que je pense que sinon, je me prends... Oh, je déteste cette attaque. Oh non, je me suis fait eu par le... Non, j'ai roulé. Mais ça me saoule, hein. Je vous jure, j'en arrive au stade en fait où je suis vraiment saoulée. Hein. Où je me dis que je vais renoncer hein, au couvent. Information générale. on n'oublie pas le petit pouce et le partage sur les réseaux. Merci, merci ma modette. Merci pour le rappel. Hop. Voilà, voilà.
À chaque fois qu'elle veut nous raconter son histoire Tinder, elle nous parle du décor du jeu. Non, mais non. Merci Martin, merci, merci Letty, merci Modette. Merci les copains. Non, donc en fait, j'avais un date avec un avocat américain. Donc il est venu me voir de la Suisse. Donc il a quand même tapé quelques heures de route hein, pour arriver jusqu'à moi. Parce que je n'habite pas à proximité de la Suisse. Pas à proximité directe. Donc quelqu'un en fait qui se déplace de loin, vous devez rester un temps avec. Vous ne pouvez pas vous permettre de... Vous pouvez pas vous permettre de dîner ensemble en fait et de partir. Parce que la personne a fait de la route. Là, dans ce cas précis, hop, on va repartir par là. Il a pris un hôtel. Donc, voilà, j'étais obligée en fait de passer du temps avec lui. À la base, j'étais partante, hein. c'est pas la question, hein. J'étais partante. Et donc, il vient et tout machin. Donc, on se rejoint, il était 17h. Donc, je lui fais visiter ma ville et tout. On va prendre un café. La conversation, franchement, intéressante. C'est quelqu'un qui a vécu plein de vies en une vie, qui a beaucoup, beaucoup voyagé, comme moi, qui a vécu à l'étranger et tout. Donc top. Et puis moi, enfin, un date en anglais, c'est ce qui me convient. Et puis en plus, je date quasiment que des étrangers. Je date très rarement des Français. Parce que on n'a tout simplement pas la même façon de percevoir le dating. Je ne cherche pas à convaincre les gens que j'ai la bonne façon de raisonner, mais je cherche les gens en fait qui me correspondent. Donc du coup c'était, ça se passait bien et tout. On a dîné ensuite ensemble, super resto. Oh, attendez, c'est Lise Detrina. Donc pareil. Oh putain, mais c'est du farm de Lise Detrina ça. Bon à savoir. Donc ça s'est super bien passé et tout. Et donc arrive la fin du date, heureusement. Parce que. Heureusement, vous allez me trouver horrible. Parce que j'ai passé vraiment un bon moment dans le sens où la conversation était bonne. Tout était... Il y en a qu'un? Non. Ah non, ils aiment bien être... Tout était cool, si vous voulez. Mais à aucun moment, mon cœur n'a réagi. Genre vraiment, pendant tout le date, si j'avais été assise face à un pote, je me demande si c'est pas un faux, ça. Non, c'est un vrai. La fouille, ok. Pendant tout le date, je vous jure, je ressentais rien. Et franchement, je ressentais tellement rien, aucune envie, ni en fait d'être là, ni de lui parler davantage, parce que rien en fait. Il y a rien qui s'est passé en moi. En fait, j'avais pas du tout envie, ni qu'il me touche, ni qu'il m'embrasse encore moins, ni que rien en fait. Enfin, vraiment, j'étais mais froide quoi, un glaçon. Et ça m'a saoulée parce que forcément, voilà, ça se finit tard ce genre de date et tout. Puis j'ai vraiment passé plus de 5 heures avec lui pour au final, en fait, rentrer. Et j'en parlais, c'est pour ça que RGB, il est au courant parce qu'on en a parlé ensemble avec une bande de copains. Et c'est le fait, en fait, après de devoir dire que non, j'ai pas envie de donner suite. Et que très souvent, on va aller faire la jaune. Je sais plus que c'est qui est dedans. C'est là que c'est tiche. Non, je sais que c'est pas tiche. Et c'est le fait, en fait, derrière, de devoir, en fait, envoyer un message pour expliquer qu'on n'a pas accroché. Et je rêve ou il a pas de... Ah si, j'ai cru qu'il avait pas de petit squelette, là. C'est de devoir expliquer, en fait, que voilà, qu'on n'a pas envie de les revoir et tout. Et très souvent, en fait, moi, les mecs, quand je leur dis ça, quand je leur dis que, pas plus de feeling que ça, c'est-à-dire, je le dis toujours gentiment, hein, je le dis gentiment en disant « non, mais c'était un moment très sympa, mais voilà, j'ai rien ressenti de particulier et tout. » Et ça les saoule. Et en fait, ils continuent à me réécrire le lendemain. En fait, comme si ce que j'avais dit n'avait pas de poids. Et ça, c'est vraiment un truc qui est très compliqué à gérer pour moi parce que je suis une fille gentille, mais pas si gentille que ça, en fait. À un moment donné, par contre, si tu veux pas entendre ce que je dis, là, par contre, je passe en mode bitch et tu vas beaucoup moins apprécier la façon dont je vais parler. Parce que je considère que j'ai fait mon taf en disant réellement que voilà, je ne suis pas intéressée, je t'ai pas ghostée. Je t'ai dit ce qu'il en était, mais respecte-le quoi. Et ça m'arrive à chaque fois. Et là, c'est ce que je disais en fait aux copains. Je l'ai pas fait encore. Je crois que c'est pas ce qu'il m'a donné. Je l'ai pas fait encore, je lui ai pas encore envoyé le message parce que je suis saoulée d'avance en fait de savoir qui va faire ça. Qui
qui va réinsister derrière en fait pour qu'on se revoie, pour m'expliquer ou pour machin. Et voilà. Donc voilà. Et je suis saoulée en fait de dater et de perdre vraiment, là je le prends comme une perte de temps, de perdre du temps en fait à aller voir des gens, à discuter, à parler de moi, à découvrir quelqu'un. À découvrir quelqu'un aussi, parce que c'est. Je pose beaucoup de questions, je m'intéresse, etc. À découvrir tout un univers et tout, pour rien. Pour rien, franchement, c'est. Et à un moment donné, même si, Dieu merci, bah, quand c'est un premier date, il n'y a pas de sentiment. Même s'il n'y a pas de sentiment, je trouve que c'est quand même. C'est lourd à vivre, quoi. C'est lourd à vivre parce que tu te dis. Tain, quelque part en toi, tu vois, tu espérais en y allant que tu ressentes quelque chose, tu vois, que ton cœur réagisse, et bien évidemment que son cœur à lui aussi réagisse, hein, je veux dire, ça va dans les deux sens, hein, j'ai pas envie de tomber amoureuse et puis qu'on tombe pas amoureux de moi, mais c'est chiant en fait de se dire que voilà, je le ressens pas, quoi, je ressens rien, et ça me frustre de fou, quoi. Voilà, donc je suis vraiment saoulée et je suis en train de me demander si j'arrête pas, je sais pas. Donc voilà où j'en suis dans ma vie. Salut RS, comment tu vas? Bienvenue. Je sais pas ce que vous en pensez, j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce qu'il faut persévérer selon vous? Est-ce qu'il faut à un moment arrêter de dater? Laisser les choses se faire? Mais ça, je vous le dis honnêtement, j'y crois pas. Genre, si vous me dites, mais non, mais les rencontres, ça se fait dans la vie et tout... Je vous le dis tout de suite, hein, je bosse en télétravail 5 jours par semaine, je stream le soir, je suis agoraphobe, donc sortir toute seule pour rencontrer des gens, c'est non. Donc on va dire que faire des rencontres en ligne, c'est ce qu'il y a de plus simple pour moi. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Coucou mon Rémi! Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je suis un peu perdue, je me dis, je sais pas, est-ce qu'il faut que j'arrête de dater? Je sais pas. Je sais pas, je suis saoulée. Voilà. Voilà les copains, vous savez où j'en suis dans ma life. Mais ça me saoule. Et bien sûr, j'en ai déjà un autre de près, hein, je veux dire. Enfin, il y a toujours un mec. Hein. Je suis jamais sans quelqu'un qui me tourne autour. Hein, mais pff, franchement, est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai envie? Et là, je sais pas si j'ai envie. Je sais pas du tout. Je tiens pas l'épée à deux mains. J'aurais jamais dû rentrer là, moi, je suis ouf. Ah non, ça va. Putain. Il m'a fait un peu peur, le monsieur, quand même. Ok, ils sont assez vifs, hein. C'est chaud. Il va faire une attaque de glace de nerf. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il nous fait la danse... Une danse tribale, là-bas, lui, tout seul. Putain, vite, mets-lui le dernier coup avant qu'il te tue. Oh, belle esquive, ça, belle esquive. Bon, tu peux mourir. C'est bon. J'ai eu un instant des choquettes. L'ancien héros de Zamor. Ah, le sauce. Bah, on le récupère pas au fort. Ah, le sauce scarifié de Radagon. Attendez, j'ai un vieux. Le sauce scarifié de Radagon, on le récupère pas dans un fort où il y a les chauves-souris? En Kaelid? Je suis folle ou... Attendez, c'est pas là? Le fort Pharos? Oui, c'est ça, le fort Pharos. Mais dites-moi si je suis folle, c'est pas possible. Dites-moi si je suis folle. Dieu fait bien les choses, faut juste être patient. Ah oui, mais j'ai 40 ans. Patiente jusqu'à quand, tu vois? Bon, après, j'ai pas voulu dater pendant longtemps aussi après l'agression, hein, donc il y a ça aussi, hein. Mais là, en fait, puis je suis une personne vraiment, mais alors vraiment pas patiente. Et là, maintenant, en fait, que j'ai envie d'avoir quelqu'un, ça me saoule de devoir attendre. Et je vous jure, c'est presque plus frustrant de... Alors, c'est pas de l'arrogance, hein, mais c'est presque des fois plus frustrant de se rendre compte qu'on a énormément de succès et qu'on peut rencontrer des gens hyper facilement et pour autant n'accrocher avec personne. Je vous jure, c'est terrible, hein, parce que vous verriez le nombre de mecs que je rencontre, que je prends le temps de rencontrer et de voir que, ben non, c'est chaud. Mais c'est très bien dit, Joker, hein, je sais que t'as raison, hein, dans l'absolu. On peut pas forcer un truc, de toute façon, qui arrivera pas. Hein. Romain, t'avais joué avec la fouellée?
C'est dur de dire qu'on ne veut pas donner suite, je trouve. Je préfère presque quand c'est l'autre qui n'est pas intéressé, je trouve ça plus facile. À Blip, oui. Mais moi, rien ne me... Enfin, c'est super dur pour moi. Si on continue de me contacter, si on continue de m'écrire, si on continue en fait d'attendre et que la personne croit qu'il y a quelque chose, donc je préfère prendre les devants et dire, mais Shelly, enfin, je le dis vraiment de manière respectueuse, gentille, pour voilà, faire passer la pilule en mode, c'était voilà, c'était super intéressant, j'ai trouvé que tu étais une personne très intéressante et je te remercie d'être venue, mais au final, en fait, j'ai rien ressenti de particulier, j'ai pas forcément l'envie de continuer. Je le tourne vraiment pour que ce ne soit pas quelque chose de blessant pour l'ego, parce que loin de moi l'envie de blesser quelqu'un, je sais que c'est pas simple à recevoir. Sam, cela s'appelle l'alchimie et sur ton date, cela n'a pas opéré tout simplement. Oui, John, mais quand ça opère pas sur plusieurs, ça qui est chiant. Tu n'as eu aucune connexion avec la personne en question? Ça ne se décrète pas. À une première rencontre, c'est très difficile, j'imagine. C'est mieux de prendre son temps pour connaître quelqu'un. Ouais, mais du coup, dum dum, quand tu prends ton temps pour connaître quelqu'un, faut malgré tout, à minima, après vous me dites si vous êtes d'accord ou pas, hein. C'est bien, je trouve, de vous avoir pour en parler comme ça. En plus, j'ai des avis de mecs aussi dans le chat, et les filles aussi, hein, bien sûr, exprimez-vous. Mais est-ce que pour vous, genre, quand vous ressentez rien, mais genre, je vous dis vraiment rien, hein, je veux dire, j'étais pas du tout. J'étais pas du tout genre, ouh, j'ai hâte d'aller en date, machin, genre, j'ai aucun stress, rien. Est-ce que vous vous dites que l'alchimie ou l'attirance peut venir avec le temps? Ou est-ce que vous vous dites, non, ça c'est quelque chose que tu dois ressentir dès le début, si tu le ressens pas, c'est que ça n'arrivera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes quel type? Vous êtes quel type? Parce que moi je suis team, si t'as pas ressenti d'alchimie, il y a de très fortes chances que tu n'en ressentes pas plus tard. Parce qu'après, tu peux. Ah, mais oui, c'est le corps de Célène. La pauvre. Il n'y a pas Jared là, ou Jared, le mec de. Ou c'est après qu'il vient, le mec qui est en Kaélide pour le festival? Bon bah, hop. Ah! Putain, j'ai eu peur. Sorte de peur. Non, je vais pas mourir là quand même. Si, je vais mourir là. Je vais devoir revenir récupérer mes 2227 runes. Après, s'il insiste trop, tu le bloques. Point. C'est exactement ce que je fais. Ceux qui comprennent pas, en fait, quand j'ai été, moi, très claire et je laisse pas du tout la place à. Tu sais, ce que tu puisses te dire, non, mais je peux la convaincre ou pas. Vu que je suis toujours très très claire dans ma façon de m'exprimer, si tu veux insister, y a pas de, tu vas pas me forcer, en fait. Donc je bloque les gens, ça c'est clair. Mais c'est plus. C'est plus que. Est-ce que c'est aussi dur de tomber amoureux? Est-ce que c'est aussi dur d'aimer? Je sais pas, hein, peut-être que oui. J'en sais rien. Ou est-ce que je suis tout simplement pas tombée sur la bonne personne encore? Mais c'est chiant. C'est chiant. Voilà ce que j'en dis. Après, je suis peut-être trop impatiente et ça, de toute façon, c'est dans mon caractère, l'impatience. Quand je veux quelque chose, il faut que ça se passe. Ça, c'est très. Il faut un date avec le prince de Perse, Akinawa, tout à fait. J'apprécierais ses abdos. Sam, tu fais du coaching sur l'estime de soi par hasard? Oui. Il y a plein de vidéos sur la chaîne Stalex, si tu veux les consulter, qui parlent justement de l'estime, de l'importance de. Oh, notre prochaine victime. De l'importance de s'estimer et tout, il y en a plein sur la chaîne, mais si t'as là une question que tu veux poser en live, tu peux. Hein. On va acheter. Il en a trois? C'est beau. De toute façon, vas-y, rends-moi. Oh, faites attention à vous, il s'est un gentil. Ah. Et nous ne le sommes pas. Écoutez, Lan. Je ne suis plus aussi alerte qu'auparavant. Hop, ça, c'est fait. Je crois qu'il n'y a rien sur la plage, hein, ce me semble, la plage qui est à proximité. Je crois qu'il y a juste les 70 millions de morts qui marchent, mais je crois qu'il n'y a rien dessus. C'est très saoulant les gens qui insistent tout le temps alors que tu leur dis non. J'ai eu pire RS, hein, en termes d'insistance. J'ai eu un mec
avec qui j'ai juste parlé. Je ne l'ai pas rencontré, hein. J'ai juste parlé, mais c'est vrai qu'on s'est très très bien entendu. Et on a échangé et tout machin, c'était très très cool. Et moi je dis également, ça fait partie des choses que je dis très rapidement aux hommes que je rencontre, c'est le fait que je n'ai pas d'enfant et surtout je ne veux pas d'enfant. Parce qu'à mon âge, très souvent, bah, soit ils en ont déjà, ou soit ils souhaitent fonder une famille, ce qui est chacun ses désirs, hein. Moi je respecte et tout, mais je le dis très tôt parce que voilà, je fais pas perdre de temps aux gens sur ce sujet-là. Et bref, je parle avec un mec et tout machin, ça se passe bien et tout et tout. Et puis à un moment, je finis par lui demander, genre le lendemain ou surlendemain, je lui fais, écoute, tu m'as pas dit ce qu'il en était au fait de ta position sur les enfants, et c'est quand même un truc qui est important avant qu'on aille plus en avant, de se programmer un date et tout. Faut que je sache ce que t'en penses, que du coup, les hommes avec qui j'ai réellement des dates, c'est des gens qui n'ont pas d'enfants et qui n'en veulent pas. Donc les choses sont dites de manière très 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 claire. On va aller là, du coup, on va repartir par là. Et ce mec-là, du coup, finit par me dire, on était au téléphone, et il finit par me dire, bah, en fait, je te l'ai pas dit, mais j'ai deux enfants, un qui a 8 ans et un qui a 2 ans. 2 ans, alors 2 ans, ça veut dire déjà, tu t'es séparé de la mère, c'était un nourrisson. Donc moi, refroidi direct, et je lui fais, ouah, je lui fais, par contre, je lui fais, là, pour moi, tu m'as vraiment fait perdre du temps, parce que tu sais que je veux pas d'enfants. Et si je veux pas ceux qui sortent de mon utérus, c'est pas pour aimer ceux qui sortent de l'utérus d'une autre femme, en fait, si tu veux. Sauf si un jour j'adopte, mais je l'aurais choisi, quoi. Et du coup, donc il me dit, non, mais tu sais, je voulais attendre, tu sais, qu'on se rencontre pour te le dire, parce que voilà, je pense que tu étais trop fermée sur ce sujet-là, et tu sais pas, peut-être que, tu sais, finalement, être avec des enfants, ça pourrait te plaire et tout. Alors, déjà, mais qui es-tu pour me dire ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie? Donc là, je l'arrête tout de suite et je lui dis, non mais attends, j'ai 39 ans 3 quarts, donc j'arrive à mes 40 ans, je date des hommes depuis que j'ai 16 ans, est-ce que tu crois vraiment que si j'avais l'envie d'avoir des enfants, déjà c'est une envie personnelle, c'est pas quelqu'un qui doit m'en convaincre, je l'aurais ressenti quand même, en 25 ans de dating, je pense que je l'aurais ressenti si j'avais envie d'être mère en fait à un moment donné. Et je lui dis, puis non, en fait je ne veux pas de ce mode de vie, je veux pas avoir de conversation bétifiante avec des enfants, je ne veux pas faire leurs devoirs le soir, je ne veux pas devoir choisir mes lieux de vacances selon le fait en fait qu'il y ait des activités pour enfants. Et attention, hein, je suis pas en train de dire que ceux qui font le choix d'avoir des enfants c'est pas bien ou quoi que ce soit, chacun fait les choix qu'il veut et grand bien vous en fasse tant que vous êtes heureux, c'est vraiment tout ce qui compte. Moi je le sais au plus profond de moi-même, je l'ai jamais ressenti, je ne veux pas être mère, je n'ai jamais ressenti ce besoin, je n'ai jamais ressenti cette envie, et ça m'énerve qu'en fait, mais ça pour moi c'est putain le plus grand des manques de respect, c'est de vouloir faire genre, de pas écouter en fait mon ressenti et de vouloir m'expliquer que en fait si je vais aimer être mère, quoi. Et donc, enfin bref, donc on finit la conversation, puis il me dit, bon, bah, je te dis à bientôt, et je lui dis, non, c'est un au revoir, un adieu, j'ai envie de te dire, parce qu'on se reparlera pas. Il y aura, ça, c'est un coffre piégé. On est d'accord, ça, c'est le coffre piégé, ça. Attendez, je crois, je vais vérifier. Oui. Je ne me suis pas fait eu. Et, bref, c'est... Putain, ils sont montés les deux. Et donc, bref, donc je lui dis ça. Le lendemain, il m'envoie un message sur WhatsApp avec les photos des enfants en me disant, voilà mes enfants, c'est grâce à eux que je suis l'homme que je suis. Sans eux, je ne serais pas la personne que je suis. J'en dis, bah, encore heureux, oui, tes enfants te changent, j'imagine bien. Je doute pas que ça t'impacte. Et merci d'être plus de sang sur le live. Et après, il me renvoie, mais tu sais, de toute façon, je vais te dire quelque chose, ça, mais l'homme que tu rencontreras sera forcément père à nos âges. Genre, ça sera quasi impossible que tu rencontres, tu vois, un homme qui n'a pas d'enfant, quoi. Donc, en gros, le mec, par dépit, je devrais accepter de mettre en couple avec lui. Parce que, très clairement, en fait, ça n'existera pas que je rencontre quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Alors que tous les hommes que je date, et je vous dis, je fais beaucoup de rencontres, il n'y en a aucun qui est père, donc c'est loin d'être... Il y en a surtout beaucoup qui ne veulent pas d'enfants, donc c'est loin d'être quelque chose de rare, de ne pas vouloir être père ou être mère. Ça,
Il lâche pas un bréviaire, lui? Non, je me trompe, c'est celui qui a un Vurnia qui le lâche. Donc, enfin bref, donc voilà, donc c'est pour vous dire là, parce que là on parlait des gens qui veulent forcer, lui il a voulu forcer. Mais, et ça m'énerve, mais vous pouvez pas savoir. De pas en fait se faire respecter sur ce qu'on dit, oh merde, ou sur qui on est, quand on l'explique en fait de manière réelle. Enfin, je veux dire, je mène pas les gens en bateau, t'as envie de dire putain, mais respecter que les gens n'ont pas le même avis que le vôtre, quoi, ou n'ont pas envie de votre mode de vie. Si je rencontrais un mec et qu'il me disait je suis acteur porno. Mais t'as beau être le plus sympa, le plus intelligent et tout ce que tu veux, il te se niette, quoi. Je veux dire, je sortirai pas avec toi. C'est comme ça. C'est un choix. Donc voilà. Donc ça me saoule toujours les gens qui ne respectent pas nos choix. Je vais peut-être reprendre un coup le chat parce que je parle depuis longtemps. J'ai dû louper pas mal de messages. Oui, c'est décourageant, moi, Kinawa. Tu veux peut-être être trop dans le contrôle et donc peut-être que tu n'arrives pas à ressentir de bonnes émotions, que ce soit réciproque en face. Oh non, Ben, parce qu'il y en a un qui m'a vraiment plu. Il y en a un qui m'a vraiment plu, que j'ai rencontré en février, mais ça n'a pas fonctionné. Mais si, donc c'est possible que je ressente des choses. Heureusement, oui, mais le truc, c'est que c'est rare, quoi. L'ancien héros de Tinder. Comment tu vas, mon Rémi? J'espère que tu vas bien. Je t'ai même pas dit, je t'ai même pas demandé comment t'allais. Coucou Sandy, comment ça va? Il y a deux sauts de Radagon. D'accord, Romain, donc celui en Kaelid est beaucoup plus fort. Merci, URG. Ok, j'avais pas capté qu'il y en avait deux. Une petite pause, tu penses, mon Rémi? C'est tellement compliqué de faire des rencontres, que ce soit au taf ou en dehors. Mais complètement, Yann. Franchement, oui. Même voilà, si j'avais un job où je devais aller au bureau, je doute que... Il nous reste que le village dément, les copains. Il faut qu'on aille quand même au village dément. Mais je crois qu'il n'y a rien, en vrai, là-bas. Je crois qu'il n'y a rien. Ici, il n'y a rien non plus. Je crois qu'on peut aller au château. Je crois que c'est bon, on est pour... Il y a la tour là, mais je crois que... je sais plus comment on l'ouvre cette tour. Attendez, on va reprendre par là. Je vais mettre un point ici. Mais ouais, je trouve que ça, c'est vraiment pas simple. tu as kill calé, alors c'est raté. MDR, Martin. Les femmes sont moins lourdes, elles insistent moins. Du coup, je suis pas confrontée à ça. Ça doit bien être casse-couille. Ben, je sais pas du tout comment se comportent les femmes. Tu as raison, Maliti. Non, mais changer d'app de rencontre, je pense que ça sert à rien. Parce que c'est... Je suis pas certaine que changer d'application change quelque chose. Je sais pas. Je sais pas si ça change. Parce que c'est pas une question, en fait, de mauvais profil, tu vois. Parce que je tombe que sur des mecs, franchement, hyper intéressants, éduqués, qui ont des putains de jobs, qui ont réussi dans la vie, qui parlent bien. C'est juste une question, après, d'alchimie. Hein. C'est pas une question de... Il n'y a que des profils de connards ou des mecs, par exemple, qui voudraient me sauter et tout. Pas du tout. Ça m'arrive même quasiment jamais, en fait. Parce que je pense que je sais bien choisir les gens à qui je parle. Mais du coup, non, c'est les profils avec qui j'échange sont vraiment des profils haut level. Donc c'est pas ça le sous-sail. Je sais pas par où on peut accéder au village dément en vrai. Je sais pas si on peut accéder par... Je pense pas par là. Ok, non. C'est bizarre, des fois les artériens on les trouve comme ça, des fois c'est des objets rares. C'est pas trop. Ou le village dément est en haut là, non? Non, il est de l'autre côté. On va au château. On va au château. J'aurais pu prendre ce site de grâce, c'est vrai. Mais comme ça, m'a moins l'occasion de faire des rencontres IRL, c'est mieux de persévérer sur les réseaux. Il y a des gens qui arrivent à rencontrer l'amour grâce à Tinder. Oui, moi j'en doute pas. Hein. Je pense vraiment pas que ce soit. C'est pas comme si, genre, tu sais, les hommes que tu rencontres tous dans la vie sont des hommes, des princes, et genre les mecs des réseaux sociaux sont des connards. Ça, par contre, non, je raisonne pas du tout avec ça, parce que pour moi, je pense que il y a des connards partout. Il y a des mecs bien partout. Après, c'est une question de savoir discerner le bon grain du mauvais. Si je peux le dire comme ça. Et dire fuck à ceux qui ont l'air d'être des fuckboys, justement. Je vais me la prendre, celle-là, non? Non, c'est bon. Est-ce qu'on le tue? Est-ce qu'il réapparaît? Je pense qu'il réapparaît. Voilà.
temps pour toi et tu verras un jour, tu t'y attendras pas. Et là, il y aura une personne faite pour toi et peut-être même le coup de foudre. Ça, j'y crois pas du tout, Sandy. Alors, j'entends que c'est un point de vue qui revient très souvent du genre, c'est quand tu ne cherches pas que tu trouves. Ça, c'est quelque chose qu'on entend très très souvent. C'est complètement faux. Parce que crois-moi, j'ai pas cherché pendant très longtemps. Après ce qui m'est arrivé, pendant très longtemps, et non. Un héros solitaire combat pour se venger, et là, il succombe face au seigneur Godfrey. Allez-y, in the castle. Mais après, il faut suivre ses croyances. Hein. Si effectivement, c'est une croyance que les gens ont, il faut écouter vos croyances. Moi, j'ai pas... La croyance, en fait, ma croyance personnelle, c'est que tu n'obtiens dans la vie que ce que tu vas chercher. Si je veux, par exemple, être successful sur YouTube, hein, il faut que je bosse dur, en fait, à être successful sur YouTube. Le succès va pas venir parce que je le veux. Le succès va venir parce que j'aurai mis les moyens, le temps, l'énergie pour que ça se fasse. Et je pense vraiment qu'en amour, c'est pareil. Il faut être hyper sélectif, il faut être hyper... dans l'actif, en fait. C'est pas dans le passif. Il faut vraiment être dans la recherche active pour trouver. Mais c'est mon opinion. Après, je respecte complètement la tienne, Sandy. Non, l'attirance ne vient pas avec le temps. Elle est là directement ou jamais. Yes, Craig. Je suis d'accord avec toi. C'est complexe comme question. Je croyais au coup de foudre et je l'ai déjà eu, mais comme la foudre, il a disparu aussi vite qu'il est arrivé. Ce qui est dit, j'ai déjà vécu aussi un coup de foudre, donc je crois au coup de foudre. Ou vraiment, t'étais ensorcelé par la personne, mais oui, ça dure pas. Ou du coup, t'as tellement les lunettes roses que tu ne veux pas voir les red flags. C'est pas bon non plus. Je pense que ça ne veut rien dire. Des fois, les sentiments peuvent arriver un peu plus tard. Pour moi, il faut 2-3 rendez-vous pour juger. Alors, Yuchi, les sentiments arrivent plus tard, oui. Mais tu dois avoir de l'attirance. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Parce que là, j'avais pas du tout envie qu'il m'embrasse, ni qu'il me touche. Tu vois? Donc, ça pour moi, c'est révélateur, en fait. Ça veut dire que du coup, j'étais plus en mode séductrice. J'avais même plus envie de chercher à séduire. Tu vois ce que je veux dire? Je parle même pas de sentiments, parce que je suis d'accord avec toi. Les sentiments naissent plus tard. Ma petite Hello, moi, je crois que si la personne te plaît vraiment intérieurement et que... Dès la première rencontre, c'est évident, le physique va te plaire aussi, sauf si vraiment il y a incompatibilité totale. Mais non, mais il était super en termes de personnalité, Hello. Mais je te jure, j'ai rien ressenti, quoi. Il faut un sparkle, tu vois, il faut cette étincelle physique, malgré tout, de compatibilité physique. Et j'arrive pas à forcer, tu vois, parce que je me suis dit, je pourrais le revoir et tout, je pourrais aller à Genève et tout, mais... Déjà, le revoir, ça veut dire lui donner l'impression que c'est possible. Donc, c'est déjà potentiellement induire une personne en erreur. Et ça c'est très compliqué, je trouve. Je me rappelais bien qu'elle avait posé une loulou. Donc, c'est potentiellement l'induire en erreur. Et c'est surtout prendre le risque qu'au deuxième rencard, il essaye de t'embrasser. Ou qu'il essaye, tu vois, qu'il fasse un geste, tu vois, où ils veulent te toucher. Et que là, j'étais en mode... me touche pas. Je suis très difficile sur ça. Quand tu me plais, oui. Mais si tu me plais pas, par contre, non, je le prends comme une violation hein, de me toucher. Je dis pas que c'est pas chiant. L'alchimie se décrète pas si facilement que ça. Sûrement que inconsciemment, tu en attends trop sur le premier rendez-vous et ça conditionne malheureusement la non-suite. Non, j'ai pas des attentes. Non, parce que j'attends pas. J'attends pas, par exemple, John, tu sais, de tomber amoureuse au premier encart ou que... il me fasse tourner la tête ou quoi. Non, j'attends juste de passer un bon moment et d'avoir envie, réellement, envie de le revoir ou envie qu'il m'embrasse. Et là, il n'y avait pas cette envie. C'est ça, en fait, que je dis. Et c'est pas... Je pense pas avoir des exigences. Ouais, je suis très exigeante et là, vous pouvez me dire que c'est vrai. C'est les exigences sur les personnes que je date. Là, oui, par contre... exigence puissance 10 000 là, mais pas sur comment un rendez-vous doit se dérouler, tu vois, même si tu vois il y avait des blancs ou que tu vois il était un peu mal à l'aise, gêné ou quoi, ça me dérangerait pas. Ce qui me dérange c'est d'avoir rien ressenti, c'est de l'avoir super bien sélectionné sur qui il est et qui va se lever en premier. Voilà. Faut vite les tuer en plus, que je crois qu'ils ont vite fait de tous avance, je t'ai bloqué. Oh, attends,
attends, c'est balèze, il y a la mer qui s'est levée, attendez. Ne oh, bloquez pas là, bloquez pas là. C'est le festival là, d'un coup d'un seul. Putain, connard, c'est grave, je suis pas avant de crever. J'ai niqué toutes nos fioles. J'espère que j'ai pas réveillé la tête de machin derrière moi. C'est bon, on a tout tué. On est bon, on est bon. On a quand même tué tout le monde. Hop. On leur fera pas, parce que si on meurt à nouveau dans le château, là, on va pas... On leur fera pas. Hein. On va prendre des petits papillons de Malenia, qui ne m'ont jamais servi à rien, personnellement. Les papillons de Mesmer, que dis-je? Les papillons flamboyants, c'est Mesmer. Voilà, voilà. Donc non, non, c'est juste l'envie de ressentir quelque chose, quoi. Pareil qu'Hello, ma petite Claire. Il n'y a pas la bonne personne, il y a des personnes compatibles. BN, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas qu'une... Oh non. Il y a Daryl qui vient de s'installer juste devant l'écran de jeu. Parce que là, il a baissé sa tête, donc ça va. Darbichon, t'es devant l'écran. Alors, je t'aime comme le blé éternel, tu le sais. Mais mon fils, est-ce qu'on peut le backstab, lui? Mais franchement, le build de Playmo là pour démarrer le jeu, si vous avez l'intention de refaire une run Elden Ring, je vous le conseille, mais de fou. Hein. Encore une là. Voilà. Ton chat derrière toi, Sam, il était derrière, oui, j'ai vu. Joker, justement, peut-être que la vie veut t'apprendre à être patiente. J'arrive pas. Chaque chose nous arrive pour un but bien précis. Une fois là que la leçon est apprise, la vie te donnera ce que tu mérites. Joker, je suis tellement d'accord avec toi. Et je suis sûre que quelque part, plus j'ai envie d'avoir quelque chose, ça veut dire qu'il y a de la résistance en moi. Et ça, c'est sur la loi de l'attraction pour ceux qui connaissent un peu le sujet. Plus tu résistes, plus t'en as envie. En fait, plus du coup, t'as conscience que tu ne l'as pas et donc tu ne l'obtiens pas. Plus ça s'éloigne de toi, et c'est quand tu lâches prise que ça arrive. Ça, c'est vrai. L'attirance est différente de l'amour, elle est trompeuse. Ouais, mais Karim, il en faut dans une relation. Et bienvenue à toi. Mais il en faut dans une relation. On peut pas avoir une relation amoureuse sans attirance. Ça c'est l'amitié. Tu vois? Tu peux avoir de très belles relations amicales où tu ne ressens pas d'attirance. Mais pour... Enfin... On est peut-être tous différents, hein, mais pour moi, en fait, pour arriver à l'amour, qui est bien évidemment le Saint Graal que je souhaite trouver, il me faut de l'attirance, parce que c'est en ayant de l'attirance pour la personne avec qui je suis, tout en partageant bien sûr des valeurs communes et en ayant une aisance à communiquer ensemble, etc. Une fois que j'ai en fait l'attirance, ça peut grandir jusqu'à l'amour. Mais s'il n'y a pas l'attirance au début, bah, c'est amical. Du coup, c'est 100% amical. S'il n'y a pas un minimum d'attirance dès le premier date, pour ma part, je sais qu'il n'y en aura jamais. Non, tu vas pas gratter l'iMac. Tu as gratté la télévision. Tout le monde t'a vu sur le short que j'ai publié. Tout le monde t'a vu, Daryl. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner si vous arrivez sur la chaîne. Et à mettre un pouce. Sur le live. Si tu te sens pas, arrête. Ne laisse pas ton impatience prendre le dessus. Le fait que tu as 40 ans ne doit pas te presser. Lâche prise et attends d'avoir une alchimie avec quelqu'un qui te correspond. Non mais RS, je me sens pas. Par contre, alors je me force pas. Dans le sens où si je me forçais, ça serait genre accepter d'être dans une relation où je n'ai pas envie d'être. Là, ça serait forcé. Tu vois, genre je me dis non mais attends, c'est un super mec. Il est super gentil, il est intéressant, t'as des valeurs communes avec lui. Donc oui, mets-toi avec lui. Là, ça veut dire que oui, je me force à être avec quelqu'un qui en fait ne me correspond pas. Enfin, ne m'attire pas. C'est pas ne me correspond pas, c'est ne m'attire pas. Là, ça serait, ouais, forcer le truc. Mais c'est pas le cas, en fait. Du coup, je reste célibataire, donc j'assume, tu vois, mon célibat. Mais j'ai quand même envie d'être amoureuse. Je me dis, mais à un moment donné, putain, mais est-ce que ça va? Est-ce que ça va arriver? Est-ce que je vais tomber amoureuse de quelqu'un qui va également tomber amoureux de moi, parce que je pourrais tomber amoureuse à sens unique? Ça, c'est vraiment pas cool. C'est pas une bonne situation à vivre. Je sais plus où ça mène, ça. On va aller voir.
On va aller voir. Après Sam, tu peux pas tomber amoureuse le premier jour. Mais non, je parle pas de tomber amoureuse, Ben, je parle d'attirance. Ça dépend des personnes, certains jugent l'alchimie importante dès les premiers instants, tandis que d'autres les développent au fil du temps, à force de côtoyer la personne. On parle vraiment d'attirance. Hein. Je sais pas si vous avez à travailler l'attirance, j'ai jamais eu à travailler l'attirance par contre. Moi je m'estime à 30 millions après à l'autre de choisir la devise. En yen RGB. Alors qu'une ex à qui j'avais dit un truc horrible, si je suis bien avec toi mais je suis pas amoureux. Ah, je suis bien avec toi mais je suis pas amoureux. Truc un peu dur à entendre mais ça a été une de mes plus belles histoires d'amour. Bah c'est pas une histoire d'amour si tu l'aimais pas du coup. C'est-à-dire juste en fait elle te mettait bien mais tu l'aimais pas, il n'y avait pas d'amour. Moi je parle pas non plus de... Je parle pas non plus d'avoir un coup de foudre, hein. Je vous parle juste d'avoir l'envie de le revoir. D'être émoustillé par cette personne, en fait, que ça vous titille. C'est ça, en fait. Peut-être que je me suis mal exprimée, mais j'ai envie d'être titillée, en fait, tu vois, de me dire « Ouh là là, j'ai vraiment envie de lui plaire, oh là là, j'ai vraiment hâte de le revoir, etc. » C'est ça que je veux ressentir. Mais je crois que c'est justement quand on ne cherche pas qu'on trouve. Ça, j'y crois. Est-ce que c'était ton cas, Hilo, quand t'as rencontré Claire ? Raconte-nous. J'ai mille et une questions, malheureusement, je suis un peu perdue en ce moment, je vais aller check ces vidéos, alors merci Sam. Je t'en prie, sinon tu peux me faire un mail, je vais reprendre les vidéos live coaching où tu m'expliques ta situation en détail. Et je te répondrai, c'est anonyme. Coucou ma petite Elvie, comment tu vas? Bienvenue. Désolée, je t'accueille vraiment tardivement. Te tracasse pas Sam, tu finiras par tomber sur ta moitié, c'est ce que je me dis encore à 34 ans. Ouais, ou peut-être que c'est pas ici tout simplement. Tu devrais faire un live spécial site de rencontre, j'en ai testé une dizaine et je pourrais te dire tous les noms de mémoire dont certains ont dû disparaître. Je sais pas si ça intéresserait les gens un live site de rencontre, parce que enfin qu'est-ce que je pourrais bien vous dire pendant un live pareil. Tu vois, à part vous raconter mes histoires, mais je vous les raconte déjà là. et faire un live sur les rencontres, c'est... J'étais sur Kevin. Pétasse, c'est la dernière. Caché. Mais... Vas-tu pas mourir, s'il te plaît. Je sais pas, il faudrait que tu me précises ta pensée. Sachez que je joue avec Daryl devant l'écran. Précise-moi ta pensée, qu'est-ce que tu verrais dans ce live-là? Parce qu'après, je suis pas contre, hein. Moi, je suis ouverte pour qu'on parle de tout sur la chaîne. Et surtout, justement, des sujets dont on ne parle pas ailleurs. Surtout. Mais il faut qu'il y ait un angle. Il faut qu'on ait un angle, en fait, pour parler de ces sujets-là. Ultra sûr que ça te tombera dessus comme un cheveu sur la soupe. En espérant que ce soit un de ses cheveux, Hello, puisque je préfère les hommes qui ont des cheveux. Ah, tu as déjà adopté la PS5, c'est pas mal. Oui, tout à fait. La franchise est une qualité qui se perd. Je suis d'accord, Karim, c'est tout à fait vrai. Les gens ont plus tendance à ghoster qu'à dire les choses. Tu as parfaitement raison de faire les choix de vie qui te conviennent. Sam, tu as raison de t'en ficher du quand dira-t-on. Ça complète mon dom-dom, hein. Absolument. Et c'est insupportable quand on respecte pas ton avis. Merci Maletti. Je trouve que c'est quelque chose, enfin pour moi, après je sais qu'on réagit tous de manière différente, mais c'est comme si d'un coup en fait, ça me ramenait à mon enfance et que mon opinion n'avait pas de valeur. Que ce que moi je voulais, ça comptait pas, et que ce qui comptait, c'est ce que l'autre voulait. C'est-à-dire ce que mes parents voulaient pour ramener à mon enfance. Et je l'ai assez vécu en fait dans mon enfance pour refuser catégoriquement de le vivre dans ma vie d'adulte. Ça c'est impossible. Tu m'as tué Sam, non, c'est juste un au revoir en fait. Non, non. C'est un adieu. Bah non, mais vaut mieux dire les choses, Irbis, comme ça tu induis pas les gens en erreur. Je pense que ça sert à rien d'insister si tu n'as aucune attirance envers la personne, vaut mieux partir en bon terme. Tinder sert à faire des dates, mais trouver l'amour, je ne sais pas, jamais utilisé. BN, alors honnêtement, ça a la réputation à Tinder d'être un site de plan cul, avant tout. Je t'assure, je pense vraiment que c'est selon... Après, j'ai une copine, mais elle est plus jeune que moi aussi, elle a 31 ans. Donc on n'a pas le même âge non plus. Mais elle est plutôt décidée. Voilà. Bah, elle était bloquée, je crois.
On n'a plus de fioles là, faut peut-être qu'on aille prendre un site de grâce. J'ai pas pris le site de grâce de tout à l'heure. Bah écoutez, puisqu'on est là. Daryl, tu me déranges un petit peu. Oh mais c'est trop mignon, il est en train de regarder vraiment le game. Bon, on va déjà récupérer l'épée. Voilà, les domestiques se sont rebellés. Non, Daryl. Daryl, non. Non, arrête de gratter l'iMac. En plus, tu fais trembler la caméra. Non. Non, bah. C'est non. Non, mais il veut pas. Descends. Vous allez l'entendre miauler, Daryl, il supporte pas que je dise non. Hop. Ça, c'est fait. Alors vous allez me dire pourquoi je le tue pas. C'est parce que je le tue pas maintenant, j'attends qu'il voit le cadavre de sa fille. Et bah, à cause de son idiotie, parce qu'il a été trop stubborn, sa fille est morte. Et du coup, je vais le tuer après qu'il ait vu son cadavre. Je sais, je suis cruelle. Alors, voilà, on remonte. On remonte, je vais aller prendre le site de grâce de l'autre côté. Donc ma copine par contre qui a 31 ans et qui est sur Tinder, elle, je vous jure que les gars, c'est principalement, pour pas vous dire franchement, 99% des mecs qui lui écrivent, c'est pour des plans cul. Après, je pense qu'il y a une question d'âge. Moi je parle avec des hommes qui ont plus de 40 ans, donc je pense qu'il y a quand même une question d'âge. Après, c'est pas dire qu'à 40 ans c'est plus des chauds lapins. Mais je tombe pas du tout sur des profils de. Je tombe pas du tout sur des profils de mecs qui veulent. Juste coucher avec moi. Coucou Leito! Mais quel plaisir Leito, c'est une première! Bienvenue! Comment va le petit jeune? Est-ce que tu lui as parlé d'Elden Ring? Akinawa, j'en parle pas à tout le monde parce qu'après, quand je dis que j'ai une chaîne YouTube et tout, il la cherche. Non, non, non. Non, non, non. Coucou Zorkan, comment tu vas? Désolée de venir aussi tard. Happy de vous retrouver et de te voir, mademoiselle Sam. Ravie de te voir aussi. Merci beaucoup d'être là. J'espère que tu vas bien. Tac. Vous savez qu'à ma première run, j'ai cru que lui, en fait, on pouvait le sortir de la cage. J'avais pas compris qu'en fait, il était... Enfin, c'était juste un PNJ inutile. Je pensais vraiment qu'on pouvait le sauver. Plus de 100, c'est énorme sur YouTube. Oui, je suis très contente. T'énerve pas, ça sert à rien. Sur quoi je me suis énervée, Karim? Parce que je vous lis avec un peu de retard. Encore heureux qu'on a le droit d'avoir ses propres besoins et ses propres désirs. Tout à fait, Maléki. Tu vas aider des joueurs contre Malenia? C'est cool ça, Malenia. Sam, tu parlais du saut de Marika, tu en as deux, t'as celui de la jaune de Zamor. Qui a osé me taper une des as, connard. Je peux même pas vous lire, regardez décemment. On se fait attaquer dans le dos. Attends, lui on s'en fout. Là on va essayer de monter d'abord et de la tuer ensuite, parce que c'est une grosse. Ouf, elle m'a pas tapé. C'est bon. Oui, effectivement, et celui du fort Pharos, c'était bien ça. Merci beaucoup. Oui, bienvenue à tous ceux qui arrivent sur le live. Bienvenue, bienvenue. Oui, c'est notre Let Me Solo Her. Oh, il va se renommer du coup en Let Me Solo Her. FR. Oui, j'ai au cœur. Oui, il faut quand même passer un bon moment, c'est sûr. Mais c'est du temps de perdu, c'est comme ça que je le prends. Moi, je comprends, j'en ai marre de chercher, essayer, découvrir. Je suis souvent déçue, je préfère manger une bonne pizza. Ça m'apporte plus de bonheur. Honnêtement, je vous mens pas. Moi, je suis plus en mode... J'ai perdu du temps, en fait, à dater quand j'aurais pu streamer. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris. C'est vraiment, j'aurais pu, en fait, être là et faire grandir ma chaîne et passer un moment, tu vois, à faire quelque chose qui... J'avais combien de runes? Il y a Daryl devant, donc je vois pas. J'y reviens les récupérer, je sais pas. Madame, vous avez fait une grosse erreur. Coucou mon Marvin, comment tu vas? Après, faut dire aussi, certes ça matche pas, mais tu as déjà de la chance de pouvoir avoir des dates régulièrement. Moi en tant qu'homme, avoir déjà une femme qui s'intéresse à nous, c'est rare. Ouais, de l'autre côté, ça doit pas être évident. Je vous parle depuis l'autoroute, mais je suis côté passager, soit
prudent et bonne route. Mon petit Marvin, fais bonne route. Tu pars en vacances, du coup? Ça aurait été dans DS3, on aurait pris genre la moitié des PV en dégâts. Alors, les runes, on va les tuer aussi. Elle s'est levée? Oh non, c'était le petit machin. Les runes, oui mais les pantalons. Non mais récupère les runes, t'as pas compris. Putain, mais c'est quoi cette chienne là, ce... Attends, je te jure qu'on va... Mais, madame... Non mais... Non mais... C'est pas possible. Deux fois. Alors Sam, je te comprends à 100% des gens qui ne t'écoutent pas et surtout ne prennent pas tes émotions en compte. Il faut fuir comme la peste. Tout à fait, RS. Ça, c'est un manque de respect. C'est pas possible. Faut que t'en trouves un qui joue à Elden Ring. Non, non, non. Je vais être la seule à y jouer. Je partage pas. À quand une rencontre abonnée pour qu'on se rencontre tous et qu'on discute autour d'un bon verre ou une pizza? Ça serait très cool. Hein. Ça serait cool. Et surtout qu'en plus, ça serait un petit comité. Si on faisait ça. Mais après, il faut trouver un endroit en France, quoi. Et je pense que tout le monde est un peu éclaté... un peu partout. Donc c'est pas évident de... Bravo, Sam, bravo. C'était beau. Quelle chute. On va aller la tuer par principe, parce qu'elle nous a vénère. D'accord. Voilà. Et ensuite, on va continuer la suite du château et aller taper. Voilà. Quand même, c'était pas un boss de ouf. On va enlever ça. Et le deuxième était là. Voilà. Les papillons. De lumière sous les projecteurs. Alors. Voilà, voilà. Un de perdu, 10 de retrouvé. Perso, j'attends encore. Le tout est d'y prendre du plaisir, Malenia. J'essaie d'aider sur Lord of the Fallen. Mais le matchmaking est catastrophique. Ah ouais? Je ne crois pas aux rencontres provoquées en matière d'amour. Tout l'inverse. Ah ouais, hello? J'y crois. En même temps, est-ce que... J'essaie de réfléchir du coup. Non, parce que j'ai eu plein d'histoires, moi, qui ont été... qui viennent des réseaux. Que ce soit sur... sur Insta, des mecs qui m'ont DM. J'ai eu plein d'histoires comme ça. Donc, non. Après, peut-être le bon, peut-être. Hein. J'en sais rien. J'en sais rien, Hello. Je sais pas du tout. À trouver la personne, Rainyman, je te souhaite de tout cœur. Si tu cherches pas, tu trouveras pas, car viendra pas tout seul, surtout depuis pas mal d'années. Yann, merci, moi je suis d'accord avec toi. Tu peux pas, et d'autant encore plus comme moi quand je vous dis, hein, y a le télétravail et l'agoraphobie, tu peux pas t'attendre à ce que le prince charmant vienne taper à ta porte. À un moment donné, tu veux le prince, bah faut aller le chercher quoi. C'est vraiment, c'est du pragmatisme. Attendez, attendez, ça sent la chute mortelle. Alors sachez que Daryl est toujours devant l'écran, mais il est là où il y a ma caméra, donc il me dérange pas trop, mais par exemple, je vois pas mes runes, quoi. Ça se trouve, j'en suis à 30 000 runes et je ne sais pas. La blague, la blague. Vite. Vite, il y a une site de grâce là. Putain, il y a une site de grâce juste là. J'aurais pas dû rouler. J'aurais pas dû rouler. Imaginons que tu tombes amoureuse d'une personne sans l'avoir vue. Genre un échange à distance et c'est évident. Et même si tu tombes amoureuse, tu crois que le physique changerait tout. Bah déjà maintenant, en fait, Hello, ça je l'ai déjà vécu. J'ai déjà vécu cette situation et ça s'est pas bien fini. Donc ça je le referai pas. Ça je le referai pas. Je parlerai plus jamais longtemps à quelqu'un sans qu'il y ait une rencontre réelle. C'est pour ça que souvent, en fait, c'est pour ça que je vous dis que je suis en date tous les samedis, parce que en gros, en fait, je leur laisse
2-3 jours pour me parler, pour me convaincre déjà de voir si on a des valeurs communes, si on s'entend, si déjà il y a les bases, on va dire, les bases, on va dire, pour faire une bonne entente, si on rigole, si machin, si voilà, ça se passe bien. Je fais un visio, parce que moi, en plus, on n'arrête pas de me dire « t'as un faux profil », alors que j'ai un profil certifié sur Tinder, mais même malgré ça, en fait, on me demande tout le temps si mon profil est un faux profil. Donc, je fais un visio, comme ça, ils me voient, je les vois, on voit déjà si ça match à ce niveau-là, et ensuite... Et seulement ensuite vient le date réel. Mais en aucun cas... Attendez, je vais prendre le site de grâce avant de prendre mes runes. Ça s'appelle être safe. Voilà. Voilà. Mais oui, non, j'ai toute une technique maintenant pour... arriver au date physique, c'est déjà qu'ils ont passé le stade de l'écrit, le stade de l'appel visio. Pour qu'on en passe au date physique, mais... Mais ouais. Oh, attendez, du grid. Excusez-moi. C'était une erreur, pardon. Je m'en vais. Est-ce qu'ils traversent le pont, ces petits cons? Parce que s'ils me follow, oui. Voilà. Ah ben. Attendez, il y a la famille Rara. J'ai combien de runes, les copains? Je vois pas combien j'ai de runes. Je vais voir si je peux pas prendre un niveau quand même. Avant d'aller taper la chimère léonine. Tac. Alors, montée de niveau. Encore. Non, on peut pas. 4000. Il en faut 10 000. On en est loin. On est très loin. Ok. Hello, c'est ce que j'ai vécu. Je suis tombée amoureuse de ce qu'était mon mari avant de le rencontrer. Quand je l'ai enfin vu, c'était une évidence. Letty, tu me fais rêver quand tu racontes une histoire. Ça doit être fantastique de se dire, c'est une évidence. Putain, mais c'est une évidence. Genre, c'est fou. Sa façon de parler, ses valeurs, tout, en fait. C'est incroyable, je trouve, de vivre ça. Après, je me dis aussi, est-ce que c'est pas le destin de tout le monde, peut-être. De toute façon, je suis pas destinée à rencontrer quelqu'un. Hein. Je suis heureuse de ne jamais m'embêter à chercher sur les applis ou IRL. C'est tellement compliqué en aléatoire que je préfère 1000 fois le célibat. Pour ma part, avoir des potes me suffit. Madame Dom, c'est parce que ça te suffit que tu as raison de le faire. Moi, ça ne me suffit pas. Moi, ça ne me suffit pas. Il me faut un homme dans ma vie. Même Scredi, l'évidence à tes yeux, Letty, c'est fort et beau quand ça arrive. Franchement, c'est magnifique. Hello, Letty, pareil avec Claire, on s'est connus par hasard, à distance. Au fil d'une conversation, c'était évident. De l'amour. Puis on s'est vus en face à face, évidence confirmée. Putain, c'est magnifique, les filles. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens en couple sur le live? Ceux qui sont en couple, est-ce que vous pouvez me raconter votre histoire? Chienasse, là! Sérieux, ceux qui sont en couple, est-ce que vous êtes team Hello et Letty? Genre, pour vous, c'était une évidence ou pas? Est-ce qu'il y a des rencontres IRL? Est-ce que c'est des rencontres... est-ce que c'est des rencontres en ligne? Partagez-moi. En fait, on est en train de le faire là, le live. Le live rencontre. On le fait là. Est-ce qu'il y avait quelque chose, je crois, derrière? Ce me semble. Oui. Une pierre de forge sombre, en plus. Ça valait le coup de venir. On va retourner au site de grâce. On reprend juste le... On reprend juste toutes nos fioles et on va fighter le boss. Bye, Flo. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée. C'est quoi être ultra exigeant? Cette exigence peut éliminer des personnes compatibles, non? Non, BN, c'est des exigences de valeur, des exigences de mode de vie. Je suis une grande voyageuse, donc quelqu'un qui voyage pas, c'est mort. Quelqu'un qui a pas l'envie éventuellement de repartir à l'étranger ou d'être à l'étranger ou qui voyage, enfin voilà, c'est-à-dire s'expatrier, c'est mort. Après, c'est parce que je sais ce vers quoi je me dirige, donc forcément, tu te diriges vers les gens qui te correspondent. Donc je suis ultra exigeante là-dessus. Puis pareil, il y a une manière en fait de me parler. Le manque de respect, c'est non. Enfin tu vois, s'il y a des red flags, c'est pas possible. Genre un mec s'est permis une fois, tu vois, genre on parlait normalement, et s'est permis une fois de me dire, vous avez peut-être trouvé que c'est trop,
mais c'était les prémices de la rencontre, hein. C'est-à-dire c'était vraiment le tout tout début, hein. On se parlait, je lui ai demandé ce qu'il faisait dans la vie, et il m'a dit, ah, tu poses beaucoup de questions, mais est-ce qu'on a besoin, tu vois, de tout savoir dès le début et tout? Je lui ai fait, ça va être dur d'apprendre à te connaître si je te pose pas de questions. Et puis celle-là, on va dire que c'est une question assez commune, c'est pas une question hors du commun non plus. Il m'a répondu, attention, hein, il fait, parce que si t'es trop dissipé, je te mettrai la fessée. D'où? Sur quelle planète t'as cru que tu pouvais me parler comme ça? Non, non, mais c'est pas possible. Après, peut-être que pour vous, ça c'est trop exigeant, hein. J'en sais rien. Après, on est tous différents, moi je juge pas, hein. On est tous qui on est, mais... Non, non. Moi j'ai des limites. J'ai des limites très très claires. On n'a pas posé le domaine machin. Aouh! Oh, il est stun! Putain, je croyais qu'il était stun, ce con. Putain, regardez, au lieu de me soigner, je tape. Je suis con, hein. Je l'ai pas vu, mon youyou, je l'ai pas vu. Mais tu peux supr, hein, si besoin. En tout cas, de mon côté, je suis pas amoureux de Rise of the Ronin. J'ai vu ça tout à l'heure sur ton live. Hein. J'ai vu ça tout à l'heure sur ton live, mon Scredi. Ok, mon Yuyu, j'irai voir. Je vous fais 100% confiance, hein, pour ça. Hop. Dac, mon Greg. Ok. Leito, pour moi, l'évidence, c'est qu'en 27 ans, je suis célibataire endurcie. Mais t'as déjà connu quelqu'un? T'as l'envie de connaître quelqu'un? Ou c'est pas du tout quelque chose qui t'intéresse? Parce qu'après... Après, c'est là, je trouve, où il faut suivre effectivement nos envies. Si t'as jamais ressenti l'envie d'être en couple, c'est qu'éventuellement, c'est pas fait pour toi. En tout cas, pas pour le moment. Peut-être plus tard. Mais pas là. Mes runes! Mon argent! Pourquoi il fait cette deuxième attaque quand je... Putain. Attends, j'étais en train de regarder mes fioles pour me soigner. Pas pour me soigner, pour me... Je me dis, merde, parce que j'étais en train de tourner mes fioles. J'ai pas optimisé ma façon de faire. Bye Jojo, amuse-toi bien et bon dodo après. Merci beaucoup d'avoir été là. Je suis amoureux de l'amour. Bah, mon Scredi, moi aussi, du coup. À défaut d'être amoureux de quelqu'un. Bon, je suis amoureuse d'Elden Ring, ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Oui, c'est ça, Kinawa. J'ai rencontré mon mari sur un site de rencontre, ça fait 15 ans. Comme quoi, voilà, success story, ça arrive. Re-Hersine, comment tu vas? Daryl a rayé l'écran avec ses griffes, hyper affûté. J'espère que non. J'espère que non. Mais attendez, est-ce que je suis très 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 en retard sur le chat? J'ai l'impression que oui. Attendez, je redescends vos messages. Mais Letty fait partie d'un faible pourcentage, Sergio, mais je pense aussi que de toute façon, les gens vraiment heureux en couple sont un très faible pourcentage. La plupart des couples, pour moi, sont des couples qui sont à chier. Coucou, Mod! Ils restent en couple parce que la peur du célibat, la peur de la solitude... La peur de vivre financièrement seul, parce que bien évidemment, ça a un coût d'être célibataire. Mais les couples réussis, les couples à la Hello, Claire et Letty et son mari, ça, je pense qu'effectivement, c'est rare. Ça, je pense que c'est rare. Bon, on va peut-être se concentrer, on va peut-être passer notre chimère, quand même. Myrune, rendez-moi mon argent, monsieur. JJ. Non, Letty, c'est pas cucu du tout d'avoir encore des papillons dans le ventre. C'est beau. C'est beau. Au contraire. Continue de le dire. Continue de nous faire rappeler que oui, ça existe. Putain, il donnait rien, lui, en rune. Sérieux?
Voilà. Est-ce qu'il faut retourner voir le châtelain? Je sais plus s'il fallait aller le voir ou pas. Je ne me rappelle plus. J'aime bien cette musique de fond. J'écoute jamais la musique. Courage pour l'ours. Salut Bastos, comment tu vas? Bienvenue. Ce début, il n'y a pas d'amour, mais elle s'est accrochée, on s'entendait bien sur certains aspects de notre relation petit à petit. J'ai fini par tomber amoureux. Ok. Ah mais voilà, donc il y a eu de l'amour, Screedy. Ok. Je comprends mieux. Je comprends mieux. C'était mon cas, j'étais en mode je profite de la vie. C'est bien, on vient de gagner des runes gratos. Pas du tout envie de me caser, elle est arrivée en quelques jours, ma vie a changé radicalement. En quelques jours, ma vie a changé radicalement. S'il vous plaît, racontez-moi vos histoires d'amour. Racontez-moi vos histoires d'amour parce que je vous jure, vous me redonnez espoir. Hein. C'est pas, je blague pas hein, quand je vous dis ça. Ça me fait vraiment du bien de lire que ça arrive aux autres. Parce que ça veut dire que ça arrive. C'est vrai. Il faut s'accrocher. Et bah pour pas chercher, il n'y en a pas une des deux qui cherchait. Karim, l'attirance est importante, mais elle est souvent représentative d'une pulsion du fait qu'on se masque soi-même la réelle beauté. Eh hey, mais Karim, à un moment donné, tu couches pas avec l'esprit de la personne, tu vois ce que je veux dire? Il faut l'embrasser, tu vois, il faut que tu aies envie, tu vois, de caresser ses lèvres, de toucher son corps, de sentir son odeur, enfin tout ce qui fait, tu vois, d'une relation, une relation physique. Et même si la personne peut être superbe intérieurement, il faut que tu sois émoustillé physiquement. Ou ça t'est arrivé? Ou alors raconte-moi du coup, enfin donne-moi ta perspective pour que je comprenne mieux. De ta perspective à toi, du coup, tu as déjà rencontré quelqu'un, elle te plaisait pas, et t'as pu, pour être très clair, coucher avec. T'as pu avoir des relations avec cette personne, ne serait-ce que même l'embrasser ou la laisser, tu vois, te câliner, te toucher, machin. T'as pu? Parce que moi, ça, c'est pas possible. S'il n'y a pas d'attirance. Plein de cœur et de pouces. Vous êtes des amours. Salut Gaëtan! Non mais... Oh! Repars d'où tu viens. Je vais juste aller voir vite fait le daron. Hein. On va... C'était par là, hein, ce me semble. The Daron. C'est ça, hein? On est descendu par là pour aller le voir? Ou pas? J'ai un vieux doute. C'était de l'autre côté. Il ne sait plus. J'ai l'impression qu'on a loupé une partie du château, non? Ça vous fait pas ça? J'ai l'impression d'avoir loupé une partie du château. La partie où ils se fightent tous en haut. Non, c'était pas là. C'était pas là. C'est de l'autre côté. J'ai vraiment l'impression d'avoir loupé une partie. Après la télé, Darryl va martyriser l'ordinateur. T'as vu ça, Adèle? C'est moche. Oh! On me tape à distance. J'oublie toujours que j'ai la fronde et que je pourrais balancer des sorts aussi à distance. Je ne le fais pas. Je suis trop gentille avec ces... C'est par là. C'est par là. C'est par là qu'il y a le daron. Je sais plus s'il fallait aller le voir, hein, à la mort de l'autre. Mais non, on est passé par là. Oui, on est passé par là. Voilà, il est là-haut. Enfin, s'il y a encore, il est parti retrouver sa fille. Alors, je vais vous dire, là, Daryl, en fait, dort debout devant l'ordi. C'est juste trop à craquer. Non, il est encore là, ce con. Je suis votre obligé. Voilà. Toc. C'est bon, on a fini notre travail ici. Pourquoi est-ce que je peux pas me téléporter? Pourquoi je peux pas accéder à la carte? Qui me follow? Qui est derrière moi? Il n'y a personne. Laissez-moi ouvrir ma carte, s'il vous plaît. Que je puisse quitter cet endroit de malheur. Mais ça veut pas, il y a toujours la musique de fight. Bah, je vais descendre. Ça c'est chiant par contre de pas pouvoir ouvrir la map si
Je vais mourir. Je peux toujours pas me téléporter. Mais pourquoi? Arrêtez-moi la musique de... C'est à cause de l'autre connasse là-bas qui me regarde de loin? Non, c'est bon? Non, c'est toujours pas bon. Non, je crois que c'est elle qui me bloque. Ah, écoutez, on va y aller. On va aller la tuer, on va s'en débarrasser. Sinon, on va devoir rester dans ce château tout le live. Non. Non, non, non. Voilà. C'est bon. C'est bon. Alors, on va juste retourner voir Irina. Irina. Hop. Coucou, Louis. Comment ça va? Tu as déjà des enfants qui sont émoustillés par la télé. Tout à fait. Cela me suffit. Salut, Vegas. Comment tu vas? Coucou, mon vin-vin. Bienvenue. J'espère que vous allez bien. Voilà, comment est-ce possible? Ma fille méritait mieux que cela. Le châtiment infligé par la destinée, je les retrouverai tous. Jusqu'au dernier. Voilà, comme ça, vous êtes ensemble, une deux tombes. Albar de Chevalier Banni, plus 8 quand même, s'il vous plaît, messieurs dames. Plus 8. Ok, bah écoutez, on a terminé la péninsule, on peut remonter ici. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? Je me sens pas de faire le dragon. De ce pas. On peut faire les grottes, par contre. On peut faire les grottes. Il y en a là, je crois... Ah, mais attendez, il n'y a pas Yura. Attendez, on va aller voir Yura. Est-ce que je roule de là? Non, je roule pas de là. On va se débarrasser. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ta-ta-ta. Oui, Skicker, ça avance. On avance, on avance. On a fait toute la péninsule. Non, non, BN, j'ai pas toujours cherché l'amour, et loin de là. Hein. Au contraire. C'est maintenant que je cherche. J'ai déjà perdu plus d'un million de runes. Mais moi, je meurs. Hein. Faut pas écouter Exerf quand il vous dit en dessous d'un million, c'est rien. Hein. Faut pas l'écouter. Hein. Non, mais Karim, c'est pas toi, t'inquiète pas, c'est moi. C'est parce que je joue, je parle, et du coup, bah, je prends du retard sur vous. Venez encore, c'est le plus neutre pour rencontre abonnée. Absolument, John, tout à fait. Ça dit, j'aimerais trop aller en Corse. C'est ironique quand on pense que l'on vit ensemble en société, mais que l'on est seul psychologiquement. Ça, c'est dur, Jimmy. Ça, c'est dur. Si tu te sens seul, ouais. Absolument. Quand on dit ça t'arrive quand tu t'y attends le moins, je ne suis pas trop d'accord. Perso, je suis un geek qui reste... Devant mon PC, personne ne viendra me chercher, je dois prendre l'initiative. Quand on veut vraiment quelque chose ou quelqu'un, il faut essayer de s'en donner les moyens. Tout à fait. Ça nous permet de nous dépasser, Letty, d'aller au-delà de nos peurs, absolument. Moi, l'amour, malheureusement, ça ne matche plus. Je te souhaite de trouver ta seconde moitié, Sam, merci beaucoup. Je suis comme le médaillon de Rod, et il me faut la deuxième moitié du médaillon. Je suis bloquée à l'ascenseur. À l'ascenseur de l'amour. Du côté des filles, vous avez plus de chances de date. Nous, les garçons, pour avoir des dates, c'est chaud. Bah, après, je donne des dates à des mecs, Yann. Donc, est-ce que c'est si chaud que ça, finalement? Rencontre IRL avec ma femme, amie en commun. Depuis marié, 3 enfants. Bim. Et en IRL, toi, du coup. Je suis en couple par intérim, moi. Qu'est-ce que ça veut dire par intérim, John? Je crois au destin de l'amour, même si ça fait bientôt 10 ans que je suis célibataire. Donc tu crois au fait, comme les filles, elles disaient, Hello et Claire, que ça arrive quand ça arrive? Ah. Mais ça, je crois que ça fait partie de mes plus grands plaisirs dans le jeu. C'est de me faire envahir. Pas quand je suis en coop, parce que c'est chiant, ça me fait perdre des... Ça me fait perdre des trucs, là, des... Oh, change d'arme. Oh, la connard. Oh, merde. Putain, c'est surtout que... Et j'ai pas assez d'esprit, hein. Oh, oh. Non, mais genre, je vais pas le toucher une fois avec cette attaque. C'est une blague? On va attaquer la normale. Mais quel FDP?
Ah, mais il y a Yura qui va venir nous aider. Yura, connard. Regardez ma barre d'enduit qui n'existe plus. Il est où, Yura? Il n'est pas censé arriver dans le fight. Ah, il est là, regardez-le. Tu arrives un peu tard, jeune homme. Tu arrives un peu tard. Après 3 ans de colocation et après être devenus les meilleurs amis du monde, et après avoir vécu ce qu'on en avait à vivre, c'est devenu une évidence que l'on était fait l'un pour l'autre. Oh, c'est beau, mais ça veut dire que c'est venu avec le temps. Alors, Vegas, si t'es encore là, la question est, est-ce que t'as ressenti de l'attirance pour elle tout de suite ou pas? Ou lui, si, parce que je sais pas si c'est un homme ou une femme. La question est là, en fait. Moi, aucune femme n'a voulu de moi, mais c'est parce que je dois avoir une peur. RS, ouais, faut te poser la question, qu'est-ce qui coince en fait? Ou quelles sont tes croyances limitantes en fait? Qu'est-ce que tu crois qui bloque une femme? Parce que tu le supposes en fait. Est-ce qu'une femme te l'a dit clairement? Ce qui bloquait. Tu peux up ton arme, non? Depuis l'enclume à côté de là où j'y... là où j'y calé, c'est trop bien dit. Yes, Romain, eh ben, elle est déjà montée plus 5, mais on peut... J'ai pas de pierre de forge 6, mais elle est déjà plus 5, ou alors faut une pierre de forge 5, je sais pas. Coucou, Maxouzou, comment ça va? En couple avec Malenia, la plus belle femme du monde. Voilà, voilà, ça c'est... Ça veut dire, Malenia, que t'es en couple avec moi aussi, hein. Attention. En couple depuis 10 ans, j'ai rencontré ma copine en bac plus 2 dans ma classe, un mois après la rentrée. Ouf. Alors BN, est-ce que t'as ressenti l'attirance tout de suite pour elle? This is the question. Modaril, tu me regardes, mon fiston d'amour. Comment vas-tu, mon abricot magique? Est-ce que tu veux un câlin avec maman? Ça serait pas le moment là en vrai parce que je peux pas faire pause. Quel connard, quel... En même temps, c'est ça, rien. Et oh, 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 oh. Déjà ça. Oh, mais tu vas me toucher. C'est hyper dur d'avoir le temps de se soigner. C'est quoi? On peut aller courir vers Yura, en fait. Yura! Yura! Yura, mon ami! Yura! Tu viens m'aider? Ah, mais non, il est là-bas. Est-ce qu'ils peuvent se fighter l'un l'autre comme ça? Est-ce que Yura peut mourir? Ha! Ha! Il est gentil, Yura. Lui, il est pour la flamme exaltée. Yura, chasseur de doigts sanglants, est reparti dans son monde. Oui, on évite les vulgarités, hein. La team Modo est là. J'ai déjà connu quelqu'un, c'était court et intense. Je l'aimais énormément, mais assez rapidement elle m'a trompée. Oh, j'ai mis 3 ans à m'en remettre. Pour le moment, j'ai besoin de calme. Ah ben oui, prends ton temps. Mais ça, c'est très très dur, hein, la trahison. Merci Sean, merci beaucoup. Merci d'avoir été là en tout cas et merci pour l'interview tout à l'heure. Bisous bisous, repose-toi bien. Tac tac tac. Est-ce que je rattrape le chat un peu dans l'histoire ou pas? Est-ce que je vous rattrape? Eh ben bonne nuit Nico. Bonne nuit, c'est chiant les allergies. Hein. Disons qu'on en souffre tous là. Il y a plus de chances de gagner au loto ou de tomber sur l'âme sœur? Ah! Excellente question. Je crois plus à la loterie à ce stade-là. Bye Nico. Résumé, on commente une publi commune sur Facebook, on rigole, on se parle. Quelques jours après, une nuit entière au téléphone à parler, coup de foudre. 3 mois après, je m'installe avec elle. Putain, je screenshot Hello parce que je vais l'utiliser comme... Je vais l'utiliser pour manifester l'amour dans ma vie. Je vais visualiser.
C'est, tu vois comme quoi la vie en plus peut se retourner en deux-deux. Hein. Tout peut changer très rapidement. C'est pas la grotte de Bok? Ici? Non? C'est pas ici qu'il faut venir récupérer son nécessaire de couture? C'est quoi ces gars là? C'est qui ces gens? Puis j'aimerais bien changer de tenue aussi. Il faut qu'on trouve une armure quelque part. Ça fait rêver, Hello. Hein. Putain, genre comme ça quoi. Vous vous rencontrez, bim, c'est abonne. Mais c'est ouf, et ça veut dire du coup que c'est sur Facebook quoi. On s'est trouvés mutuellement hilarantes. Est-ce que ça vous étonne? Pas du tout. Ce n'est pas qu'elle me plaisait pas, en fait, j'idéalisais ma première rencontre en pensant que le physique faisait tout. Je me suis rendu compte du contraire. Ah non, bah alors ça par contre, oui, le physique ne fait pas tout. Et je pense que plus tu vieillis, plus tu le sais. Ça que le physique, c'est un point d'entrée, ce n'est pas la finalité. Et très loin de là. Mais c'est qui ces gens? C'est qui ces gens costumés là? C'est quelle race? On peut dire race hein, dans le jeu. Un champignon dans un coffre, c'est vraiment de notre gueule. Qui sont ces gens? Qui est cette race en vrai, pour de vrai? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Alors. On est déjà au boss? Ah, c'est rapide. Et ça. Je pose pas le domaine magique, hein. Putain, ça me change le truc au lieu de me changer mon arme. Ça m'en fait perdre du temps. Mais c'est vraiment trop chou, je trouve. Oh, me dites pas que c'est Pat. Parce qu'il va mourir direct. Hein. Well. Je déteste Pat. Où est-ce qu'il est, ce coup? Putain, il a un gros bouclier quand même. Hein. Ça dit on peut le tuer à la magie. Hein. Il a un souffle putréfié ou quoi? Adios, Pathos. Adios, Pathos. Salut Florent, bienvenue. Oui, bah après, en fait, c'est ce qui distingue, je trouve, la relation amicale de la relation amoureuse, c'est le physique. Bim, une lance et une armure, fabuleux, on a bien fait de le tuer du coup. Tac. Retourne à l'entrée, c'est parti. En NG plus 1, le 1 million de runes, ça vient très vite. Oui, alors en NG plus, je suis d'accord, Florent. Tout à fait. Tout à fait. Mais j'ai l'impression de pas du tout redescendre le chat, là. Yuchigo, complètement un apéro et le lendemain, tu te retrouves à déménager à des centaines de kilomètres. Sam, je pense qu'il va falloir penser à un live apéro. Un live apéro? Non, je bois pas d'alcool. Papillura a mis son temps, absolument. Par intérim, quand on veut bien de moi, plus sérieusement, j'ai fait aussi certains sites de rencontres avec le bon et le pas bon de ce genre de rencontres. Yes. Tout à fait. Oui, il y avait de l'attirance pour elle et réciproquement a priori. Ok. Zen, j'ai rencontré ma chérie sur un forum de dessin. Un jour, nous nous sommes rencontrés, coup de foudre direct, le grand amour. Oh non, malheureusement, elle nous a quittés en 2017. Depuis, je lui reste fidèle. Oh, je te présente mes condoléances. Ah, ça, c'est chaud. Par contre, avoir trouvé l'amour et le perdre, je pense que ça doit être une épreuve, mais... Ça doit être super, super, super dur. Je crois qu'il n'y a rien au fond, mais dans le doute, on va quand même aller voir. RS, moi, je crois en rien. Ça doit venir, ça viendra. Et si ça vite... Si ça vite, suis bien tout seul. Le problème, c'est que les autres qui croient que tu as un problème. Ah, mais non, mais ça, faut s'en foutre de ce que les autres pensent. Là, par contre, Daryl, si tu te mets devant les fioles, nous allons avoir un problème, sir. Daryl. Ah, tiens. Il y a Yu Yu qui est là. Pas le Yu 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 Chigo, mais l'autre. Alors. Ta-ta-ta-ta.
J'aime bien sa voix, Yura. Stay clear of a Gill Lake. And it's as fierce, so stay clear of them. Be on your way. Perhaps we will meet again. Oui, nos chemins vont se recroiser. Je me rappelle à la cime des géants, mais je sais pas s'ils se recroisent ailleurs. Attendez, j'essaie vraiment de vous rattraper. Trouver quelqu'un de joli et être amoureux, c'est deux choses complètement différentes. Oui, Rémi, mais ça commence par l'attirance, quoi. Pour Eloy et moi, l'attirance a été évidente. Voilà. Voilà. Par contre, oui, on peut trouver quelqu'un de beau et pas être amoureux. Ça, c'est... oui. La luxure. Les sentiments, oui, ça vient avec le temps, bien sûr. La lumière de ton fond, je trouve ça féerique. La lumière là derrière ? C'est gentil, merci. C'est une lumière qui fait toutes les lumières de l'arc-en-ciel. Du rose, du bleu, du jaune, du violet et tout. C'est Exu qui me l'a offert. Oh, t'as deux filles du cousin. Oh, vraiment, plein de cœur pour toi. Plein de cœur pour toi. Après, tu peux avoir deux personnes qui sont faites l'une pour l'autre. Il y a tout un tas de raisons naturelles qui peuvent faire que ces deux personnes vont s'aimer très rapidement. Sam, tu as pas connu Dark Souls 1 dans une forêt. Il y a des champignons. Certains te donnent des coups de poing. C'est pas vrai. Là, je savais pas. Gagner au loto est tout de même plus pratique. Qu'est-ce qu'elle est pragmatique, la Letty. C'est vrai que les jugements sur célibat passé 30 ans, c'est sévère. Est-ce que ça vous atteint, du coup? Est-ce que ça vous touche ce que les autres vont penser de ça? De votre situation? Moi, vraiment, ça me passe au-dessus. C'est surtout... Coucou, Nico! Comment tu vas? Quel plaisir de te voir. J'espère que tu vas bien. Nicolas Bobille. Ça me fait plaisir que tu sois là. Moi, ça me passe. Mais alors, vraiment au-dessus. Mais je pense que c'est parce que j'ai bien conscience, et c'est peut-être une technique, donc je vais vous la partager, peut-être que ça vous aidera à passer au-dessus de la vie des autres, c'est que très souvent, en fait, les gens ont des vies de merde. Vraiment, hein. Les gens ont des vies de merde, et au lieu, en fait, de régler ce qui ne leur convient pas dans leur vie, ils vont préférer émettre un jugement sur la vôtre. Or que vraiment, ils ont des vies de merde. Et une fois que vous avez compris ça, ça vous touche pas, en fait. Moi, regardez, je vais avoir 40 ans, je vous en parle librement sur une plateforme publique où je pourrais me faire incendie ou quoi, mais on en a rien à foutre. Parce que j'ai envie de dire, si vous étiez vraiment heureux, vous seriez trop occupé dans votre bonheur. Ah non, genre, hein, genre, vous étiez loin comme ça, monsieur. Je trouve ça un peu étonnant. Voilà, voilà, il y a toujours un de caché. Par contre, il te met un saignement, laisse tomber, quoi. C'est rapide que tes règles, hein. C'est incroyable. Moi, je trouve voilà que se passer du jugement d'autrui, c'est très facile parce que tout le monde en fait a une maison de verre. Il y a tous un point sur lequel on n'est pas bien. Ça me passe largement au-dessus ou en dessous, je m'en fous complètement. Et ça, c'est parfait, Nico. Ça, c'est parfait. Si tu peux avoir que l'un ou l'autre, tu dois choisir l'amour, 100%. L'argent, tu peux toujours en faire dans la vie. Coucou Raphaël Farmer, le live Garou. Bien, on dirait un mot inventé pour mesmer. Sérieux, madame, vous et vos goûts en mec. Arthur Morgan, mesmer, naudi. Arthur Morgan, c'est un canon, Raphaël Farmer. Merci pour ton soutien, mon Rafou. 8 mois que t'es membre Elden Gods. Tu veux venir jouer avec nous à Among Us jeudi soir? Dis, un, dis. Mais comment tu gères les gens qui te mettent des bâtons dans les roues, Sam? Dans quel sens RS? Parce qu'ils font pas partie de ma vie, en fait. Les gens qui font partie, réellement partie de ma vie, sont des gens qui veulent mon bien, des gens qui se réjouissent pour moi, ou des gens qui sont tristes s'il m'arrive quelque chose de pas cool. Mais les gens qui me mettent des bâtons dans les roues, du genre, je sais pas, des haters, tu veux dire? Ça me passe, mais putain, au-dessus de la tête. En dessous de la culotte. Alors vraiment, c'est... Ils peuvent se prendre des trucs. Enfin, je voulais que ça les touche eux, vous avez pas compris. Ah mais ils me touchent de là, ces connards. Regardez-moi ces chiens de la casse. Je suis sûre qu'il y en a un troisième. Bah oui, sinon ça aurait pas été drôle du tout, voyons. Putain.
on aurait dit les pays aveugles, tu sais, je tapais au pif, à un moment ça allait taper. Voilà. Tirer levier. Des fois c'est chiant d'être en ligne rien que pour ça. Oui, notre Raphaël Farmer, il a eu 40 ans dimanche, les copains. 40 ans, bon anniversaire, notre Rafou d'amour. On te préférait quand t'étais jeune, mais bon, on n'a pas le choix, on continuera de t'aimer quand t'es vieux. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Et oui, c'est un papy de 40 ans. What the fuck. J'essaie de récupérer mes fioles avant d'entrer contre le boss parce que je crois que c'est un chat là. Et les chats ils sont chiants. PTDR grognasse. C'est une vérité, pourquoi tu me dis grognasse? J'ai dit que la vérité. C'est tout. Bon anniversaire. La quarantaine c'est la jeunesse éternelle. J'aimerais tellement que ma peau ne vieillisse pas. C'est pas grave de prendre de l'âge tant que la peau ne vieillit pas. Oh mais putain, j'ai loupé un muguet, tu sais. On fonce au boss, on fonce. Mais je l'aime pas, hein. Si c'est le gros chat là, le gros chat de pierre, je l'aime pas du tout, hein. Je vous le dis. Je vous le dis, messieurs, dames. Hein. Dépêche-toi d'entrer, dépêche-toi avant qu'on te mette une flèche. Oh, pas du tout. Putain. Oh, je me suis sentie pousser des ailes de faire ça. Oh, j'ai craqué mon slip. Ah, reprends ton arme. Voilà, vite. Ouh, il me court après. Ça, c'est un mec de Tinder. Super. Ouh, je sais pas comment j'ai esquivé. Oh, ça va. Les dégâts sont très très bons. Surtout, ça tape très très loin. J'avoue que là quand même on a un peu roulé sur la... On a un peu roulé sur la... Et pas de coffre, hein. Attendez, pas de coffre. Parce que des fois il y a des coffres. Et pas de coffre. Non. On retourne à l'entrée. Voilà. C'est quand le DLC? C'est le 21 juin 2024. Hein. Précisément. Précisément. Hihihi. J'aurai 40 ans le 14 juin 2025. L'année prochaine. Oh, Screddy, arrête de le flatter. Bien sûr que si, il fait son âge. Tu rigoles? Bien sûr qu'il porte ses 40 ans. T'as pas vu son front, là, comment il se plisse? Oh, j'ai tout de suite payé ma méchanceté. Pourquoi on n'est pas le 21 juin? Parce qu'avant ça, faut que je fête mes 40 ans, Nico. D'abord. D'abord mes 40 ans, puis ensuite le DLC. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. C'est une grâce qu'on a déjà prise, ça? Ah ouais, cabane d'artiste. Comment tu vas, Myrthe? Mon Screddy, I am you. Mais il est sérieux, moi jamais il me dit qu'il m'aime, Raphaël Farmer. Et Screddy Kroga, il l'aime, mais c'est parce qu'il est raciste des femmes, Raphaël Farmer, c'est tout. C'est pour ça que moi, jamais il me dit qu'il m'aime. Incroyable de voir ça. Un crin. On va aller faire le fort. On va redescendre par où? On va redescendre par là. Par l'orée des bois brumeux. Mon RS, I am you too. Regardez-le. Regardez-le. J'ai eu 40 ans en 2016. Ça remonte, Nico. Ça commence à faire un bout de temps. Samy et Shani, I tolère you. Quelle putain. Quelle petite pétasse. Voilà. Voilà ce que c'est que d'aimer un blond. Méfiez-vous des blonds. Méfiez-vous des blonds. Ah là 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 là. Alors.
va aller faire le fort. Le fort, le fort. Mais c'est intéressant d'avoir ces conversations-là avec vous, quand même, je trouve. Parce qu'on a vraiment, mais plein de points de vue différents, au final. On a vraiment plein de points de vue différents. Alors, voilà, voilà. Oui, rigole, Raphaël Farmer, rigole. Mais je sais ce qu'il y a dans ton cœur. À part les donuts au chocolat. Il est pas là, Landrush, il stream, le Daddy Landrush, ce soir. Je sais pas s'il a fini ou pas. Il fait un jeu qui a l'air un peu chelou, pour être tout à fait honnête. On avait récupéré la graine dorée. Hein. Mais non. Mais non. On est des sauvages comme ça, on l'a pas récupéré. Bah attendez, on va tuer tout le monde. Ou se faire tuer. Ah putain, on a pu prendre un level. Et fallait qu'on regarde aussi l'arbre, là où j'y calais. Oh, je déteste ceux qui tirent à distance. Ah ouais, c'est pas très efficace. Quoi. Putain. Ah, ah. Monsieur. On peut le backstab, lui, ou pas? Je sais plus s'il est backstabable. Mais regardez-moi ces fils de... Et l'autre connard qui va me tirer dedans, aussi, dans le dos. In the back. On dirait Raphaël Farmer qui tire dans le dos. I tolère you. Voilà ce que je te fais, Raphaël Farmer. I tue you. Il y a des beaux gosses dans mon cœur. Vive les hommes. On a balayé l'histoire de l'amour sous tous les angles. Absolument. Donc, bon, voilà. Voilà, voilà. Vous êtes au courant d'où est-ce que j'en suis dans ma tête. Ah. Est-ce qu'on en partage des choses, quand même? Est-ce que c'est normal de se raconter des choses intimes sur YouTube ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Si vous aviez une chaîne, vous sentiriez à l'aise de parler réellement de vos vies? De choses qui se passent intimes ou pas du tout? Vous feriez genre un contenu... Genre vous parlez des jeux vidéo, mais point que des... Est-ce que je peux survivre, s'il vous plaît? Est-ce que vous parleriez des jeux vidéo sans parler d'aucun autre sujet que des jeux vidéo? Est-ce que c'était clair? Est-ce que c'était français ce que je viens de dire? Ou est-ce que vous iriez vous aussi dans des sujets privés? Dites-moi tout. I laugh with you all in the chat. Oh, tu parles en anglais en plus pour satisfaire encore cette petite pétasse de farmer? Putain, mais on peut pas boire. L'amour, c'est comme une boîte de chocolat. Oh putain, il m'a ramené des chocolats suisses en plus, mon date de samedi. Des chocolats chers en plus, ça se voit que... Faire d'être un putain de chocolatier, je ne les ai pas encore ouverts. Mais ça a l'air ouf de bon, quoi. Oh, monsieur, je suis en train de vous taper, là. I was tapping you. Alors... Cendre de guerre en taille sanglante. On avait tué le monsieur. Celui à qui le fort appartenait. C'est pas grave. On avait tué le PNJ. Salut Zineb, difficile de ne parler que de jeux vidéo. Je suis d'accord, mais est-ce que ça veut dire que tu serais à l'aise de parler d'autre chose? That is the question. Est-ce que, parce que quand tu parles d'autre chose, c'est-à-dire quand tu parles de sujets, tu vois, genre comme l'amour, etc., t'es obligé à un moment donné de donner des exemples en fait issus de ta vie privée. Est-ce que tu te sentirais à l'aise de le faire ou pas? Telle est ma question. Est-ce que vous vous sentiriez à l'aise de partager ou pas? Pourquoi j'avais l'impression qu'on pouvait descendre? En fait, non, il n'y a pas de... Non. Je dois me tromper de lieu. Ok, on a fait le fort, c'est bon. Eh bien écoutez, je crois qu'on a à peu près fait la nécrolimpe. Qu'est-ce qu'il nous restera à faire ici? Ah, le puits de la Siofra, on l'a pas ouvert. On va aller l'ouvrir. On va aller à l'orée des bois brumeux. Perso, aucun souci. Mon crédit. Je parle de cul, donc bon.
Raph, moi je parle pas de cul parce que je suis une nana et je pense que je me prendrais un harcèlement. Laisse tomber. Je parle d'amour. Mais je parle, enfin, je parle sans vraiment entrer dans les détails hein, de sexualité, mais supposée. Mais ça, par contre, tu vois, c'est un sujet que je me permettrai pas d'aborder en ligne. Mais genre, une rencontre abonnée où on se pose ensemble, c'est-à-dire, je parle vraiment de mes abonnés proches, hein, genre mes membres soutien ou ceux qui sont vraiment là très très régulièrement sur la chaîne. En vrai, c'est-à-dire si on était en visu, si on était en visu ensemble, ouais. Mais pas... mais pas comme ça sur YouTube, par contre. Ça, c'est sûr que non. Ça, c'est sûr que non. Je crois qu'elle est là, en fait, la limite de ma chaîne. C'était ma question, justement, Sam. Comment est-ce que tu gères, par exemple, si quelqu'un te reconnaît et commence à te juger IRL? J'en aurais, mais rien à battre. Mais vraiment, RS, ça me... Je sais pas si c'est le fait, tu sais, je sais pas quel âge tu as, mais je crois que ça vient vraiment, je te jure, plus tu vieillis, plus vraiment, en fait, l'opinion d'autrui te passe au-dessus. Et je dis pas ça parce que ça fait, tu vois, genre, cool, tu vois, de faire genre, ouais, moi je m'en fous de l'opinion des gens. C'est pas ça, je te jure, c'est vraiment... Si j'avais peur, tu sais, du jugement d'autrui, si j'avais peur de... que quelqu'un de ma vie réelle me voit, parce que bien évidemment qu'il y a des gens qui me connaissent, qui connaissent ma chaîne, je ne dirais rien. De peur du jugement. Mais le fait que je parle librement comme ça, tu vois, genre mes parents connaissent ma chaîne, mais j'en ai mais vraiment rien à faire parce que c'est moi en fait. Et je fais ce que je veux, je choisis qui je suis, je choisis qui j'ai envie d'être. Et après, ça convient ou ça ne convient pas, au choix de chacun, de me garder ou non, tu vois, dans leur vie. Mais si tu oses venir me voir avec une parole du jugement, c'est la dernière parole que tu m'adresseras. C'est pas possible autrement. Mais je pense vraiment, je pense vraiment que c'est un truc d'âge. Hein. Ça vient avec l'âge, je pense. Est-ce qu'on fouille un peu en bas du coup, puisqu'on est là? En vrai, non, je suis plus en mode de fouiller en haut. C'est genre, je vous pose la question, mais attendez, je vous donne la réponse. On n'a pas tué le mec qui est là, devant le Colisée. Il y a un gars qui nous envahit. On va aller le tuer. Moi, j'aime partager, donc je parle de tout. J'aime partager aussi mes émotions, etc. Et même si je parle de cul, je ne parle pas de ma vie privée. Je garde des aspects de ma vie privée sur YouTube, etc. Oui, il y a des choses que tu gardes pour toi, absolument, mon Raph. Est-ce que tu le ferais avec la même aisance, Raph, si tu le faisais en anglais? Parce que là, je sais que tu stream en français, donc je sais pas si les gens autour de toi, tu vois, comprendraient de toute façon, même s'ils tombaient sur ta chaîne. Ce crédit, on est d'accord, plus tu vieillis, plus tu s'en fous. Ouais. Moi aussi, j'adore écouter Raph Dom Dom. Parce que justement, il a cette liberté d'expression. Tu sens qu'en fait, il est pas... C'est pas quelqu'un qui cherche, tu vois, à maintenir une image envers et contre tout, je trouve, sur la chaîne. Et je trouve que c'est ça qui fait... La richesse de sa chaîne, mais également de la mienne, c'est qu'on met pas en avant une image, mais réellement une personne. Après, bien évidemment, on accroche ou on n'accroche pas, ça c'est le goût personnel des gens. On peut pas accrocher avec tout le monde. Et plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Donc, de toute façon, je pense que même nous, ça nous intéresserait pas de plaire à tout le monde. Mais c'est plus le fait... Regardez le lien. Oh! Putain, par contre, la barre de life. Hein. Ah non, voilà. Oh, sayonara. Au revoir, monsieur. C'est plus le fait que je trouve que c'est intéressant, vraiment, d'aborder sur YouTube des sujets qu'on n'aborde pas ailleurs. D'avoir un peu cette zone de sécurité, quelque part, parce que vous êtes caché derrière un pseudo, en soi, sur... Vous êtes derrière un pseudo sur internet, il n'y a pas forcément vos photos ni rien, il n'y a pas vos vrais noms, il n'y a pas mon vrai nom, mais bon, il y a mon image, donc effectivement ceux qui me connaissent me reconnaissent. Mais du coup, ça donne cette possibilité de discuter, on va dire, d'une manière un peu plus safe que peut-être avec des gens IRL, je trouve. Et t'es d'accord, Letty, hein?
Je crois qu'on peut parler de toi à partir du moment où l'on ne porte pas atteinte à autrui. Alors, mon Rémi, ouais, c'est-à-dire que quand je suis en live, je sais très bien que les gens qui viennent là sur la chaîne, avec vous, il n'y a pas de... Il n'y a pas, si tu veux, de soucis. Mais par contre, derrière, il y a les commentaires ou des DM dont on se serait volontiers passé. Voilà. Mais sinon, moi, je suis d'accord et je suis pour, en fait, ouvrir le sujet de parler d'absolument tout. Et c'est que sur Internet, voilà, c'est pour ça que je vous dis, moi, je la mets là, la limite. Franchement, j'ai pas le courage de faire voile orage, donc on va aller, en Lurnia. Je mets la limite sur le sujet de la sexualité ne sera pas abordé sur la chaîne. Et je pense que de toute façon, mes modos qui me connaissent et qui connaissent bien la chaîne parce qu'ils sont modérateurs depuis un bon moment, ils voient très bien que les rares fois où on a abordé le sujet, c'est-à-dire où on l'a abordé pourtant avec respect, c'est-à-dire en parlant entre adultes, je parle au-delà des blagues graveleuses qu'on peut faire quand on rigole sur un jeu. Hein. Les modos, ils sont direct derrière à s'écrire sur le groupe modo en mode « Oui, là, lui, il a abusé. Lui, là, ce qu'il a dit, ça va pas. Lui, nanana. » Donc, voilà. Donc, c'est pas... c'est vraiment un sujet, je pense, qu'en tant que femme, dans ce milieu-là, peut-être que si j'avais une chaîne destinée aux femmes... Ça... Attendez, j'ai déjà ouvert un site de grâce. Qu'est-ce que je me fais chier? Attendez, on est déjà allé... On est déjà allé très loin, en fait. On est déjà allé très loin. Qu'est-ce qu'on va fouiller du coup? Attendez, on va aller voir la petite là. Elle est où? Elle n'est pas ici. Je sais plus comment elle s'appelle. Ria Rui ou je sais plus quoi. Comme quoi on peut parler de tout mais pas avec n'importe qui. Ben ouais. Moi je pense qu'avec vous, c'est-à-dire les gens actifs de ma chaîne qui viennent régulièrement et je pense même à ceux qui sont en lurk. Hein, à ceux qui sont en lurk parce que, enfin... Je pense que si c'était des gens qui avaient vraiment des opinions contraires, ils interviendraient. Ou s'ils avaient des choses méchantes à dire, en fait, je pense qu'ils le feraient. Je pense qu'avec vous, oui. Mais le problème... Ou alors, il faudrait ouais, bah, un live privé, quoi, comme je fais avec les Elden Gods. Et là, on pourrait aborder des sujets plus... Hello. 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 Please. Over here. La pauvre, comme Hello. Elle est penchée en avant. It's rather chilly here, ils auraient pu lui it? Mettre un corset quand même. But I was accosted by a... Could I ask you lend a hand? Elle doit avoir une scoliose. Perhaps that fog may... Only if you've... Oui, on va y chercher oh, ton collier. What a blessing oui. That we've... The fog should please. The fog should be Rutley's. Please stop, brave tarnished. Mais j'ai même pas essayé de la taper, tu sais. Vous ne feriez que vous épuiser en frappant cette barrière. J'ai même pas essayé de la taper. Non mais je trouve ça vraiment d'un manque de respect. Mais c'est bon, arrête de te plaindre, meuf. J'ai même pas essayé de te taper. Ça m'a mis dans la sauce parfois, d'ailleurs, mon côté cash. Ouais, Raph, je pense. Hein. Je pense. Pour ma part, je sais qu'il y a des sujets dont je préfère éviter car je suis assez sensible. Dac Malignia. Il y a des sujets qui sont pas... Après, moi, je trouve qu'il faut respecter la sensibilité de chacun. Tant qu'on... Tu sais, tant qu'il n'y a pas un manque de respect par rapport à... Tant que tu dis pas des trucs choquants, tu vois ce que je veux dire? Genre, sur ma chaîne, voilà, j'ai eu deux cas. C'est-à-dire le mec là qui a voulu prendre la violence. Et j'étais... Non, non, excuse-moi, mais non. En plus, il savait que j'avais été agressée et c'était une agression violente. Donc non. Et celui qui m'a dit voilà sortir avec une gamine de 20 ans et en plus il a qualifié alors qu'il en avait 45 ou elle en avait 24, il en avait 42, je sais plus, enfin bref, 20 ans d'écart de toute façon, et qui m'avait dit que c'était une perverse narcissique. J'ai envie de dire, c'est quand même compliqué de manipuler une enfant, je trouve. Enfin non, excusez-moi, je me suis mal exprimé. C'est dur de dire d'un enfant qu'il est manipulateur. Parce que là, c'est une jeune adulte, quoi. Et lui, c'était un homme. Ok. Voilà.
viens d'enlever le truc ou j'ai rêvé? Non, c'est bon. Hop. Pourquoi c'est le numéro 2? Il est où le numéro 1? Ça, c'est le numéro 2. Il est où le 1? Où est-ce que j'en ai posé un autre? Oh non! Oh non, quand il faut le retrouver sur la carte, c'est horrible. Putain, où est le numéro 1, les copains? C'est chiant, je les trouve pas assez visibles, ces petits trucs-là. Bon bah tant pis. Je sais pas où est l'autre. Tant pis. La franchise et l'honnêteté sont de belles qualités. Absolument. Puis c'est bien, moi, je trouve, d'avoir un endroit où on peut parler de trucs... Oh non, 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 on est déjà de nuit là que je me sois fait attaquer par un rapace. Casse-toi. Il faut l'eau ce con ou pas? The thug should be resting at ease. Oh yes, thank you kindly. J'aime bien, tu sais, je vais me faire attaquer par le rapace pendant que je suis en train de lui donner son collier. C'est parce que tu te montres tel que tu es que tu apprécies Raph, et c'est pareil pour Sam d'ailleurs. Merci Hello. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça Rémi, ça peut partir en vrille. On parle d'amour et d'eau fraîche et de princesse. Yes, let's go to le manoir du volcan. Voilà. For an age instead at the base of the OK, merci madame. Parfait, ça c'est fait. Alors, est-ce qu'on commence à explorer ce côté-là? Elle est là, Tiche. Elle est là, Tiche. On peut pas y aller. C'était un très beau zozio. Pour les marques, si tu en fais plein les uns à côté des autres, ça va finir par remplacer la première et tu n'as plus qu'à toutes les supprimer. Putain, mais Geoffroy. Geoffroy, tu n'es pas venu sur le live pour rien. Est-ce que ça me met encore le... Non, regarde, ça met le 1. Bah, ça met un 1. Trop chel, d'accord. Peut-être parce qu'il y avait un 1 et j'ai supprimé le 1. Arrêtez tous d'être trop gentils avec Raphaël Farmer, là. C'est pas parce qu'il a 40 ans que d'un coup, il faut être gentil avec lui. Hein. Au contraire. Il faut se montrer impitoyable. Ah mais je connaissais pas l'astuce Geoffroy. Putain c'est trop bien là, tu me sauves. Parce qu'à chaque fois ça m'arrive, tu vas te poser des trucs et après te chercher pendant 50 heures. Alors je crois qu'on peut monter par là. Non, on peut pas monter par là, mais c'est juste derrière. Bonne nuit Damda, merci d'avoir été là en tout cas. Bye bye, bonne nuit. Dors bien. Oh, on n'a pas tué le marchand qui l'attend. On n'a pas été voir aussi si je pouvais monter mon arme. On va peut-être passer un petit coup au bastion. Bon. Monsieur. Scusi. Voilà. Pauvre petite âne. Par contre, j'aurais bien recueillir les ânes, en vrai. Voilà. Ah, je crois que je l'ai vue la première chez Exurf TBH, to be honest. Ah, d'accord. Ah, il a ce genre de technique. Oui, Daryl, est-ce que tu veux pas un câlin, là? Je te sens... J'ai trop envie qu'on fasse ce gold mask, peut-être comme ça. Bienvenue. Je suis Corin, un man of the cloth. I teach incantations and explore so that one day, if a tarnished of the round table ensuring all the way. Oui, je vois la lueur qui nous guide. You are something of a rare breed. Well, what do you say? Donnez un bréviaire. That, it's incantation. Very well. Voilà. May the golden order shine through. May the golden order. Et après je passe Kali. Là par contre Daryl, t'es vraiment en plein devant l'écran. Darly, tu viens? Viens maman. Salut mon Christophe, comment ça va? Je vous dis bonne nuit, mais t'avais dit bonjour? Et je t'ai loupé? Bonne nuit, pardon si je t'ai loupé, désolé.
Le marchand est plus solide que le dernier boss. Je pensais qu'il avait la trentaine. Zineb, qu'est-ce qu'on a dit? On arrête d'être trop gentil avec Raphaël Farmer. Daryl, veux-tu bien? Veux-tu bien? Veux-tu bien, fils? Veux-tu bien? Non, il me faut une pierre de forge sombre 6. Bah, je crois qu'on va pas en récupérer avant Leyndell. Hein. On en est loin de la pierre de forge 6. Hein. C'est pas grave. Alors, Roderica. Oui, elle a un don. Ah, il y a vraiment, mais Daryl, juste devant moi, c'est un truc de fou. Darly, est-ce que tu es en train de me dire que c'est la fin du live? Est-ce là ton... Est-ce là ton intervention, fils? Paix à son âme, petit marchand, mais Modette! Non mais Raphaël Farmer, là, il va pas partir du live. Il va rester là toute la soirée avec nous parce que vous êtes en train de le rincer de compliments. Ben voilà, moi je vous félicite pas. Je ne vous félicite pas. Dragon les noms morts avec Dee. J'adore son armure à lui, par contre je la récupère très souvent. Je l'aime beaucoup. Je vois pas. C'est bon, il s'est répété. Daryl. Encha, ce connard. Ah mais on n'a pas parlé encore à Gideon. Sir Gideon of Near the All Knowing. Alors, putain, qu'est-ce que j'aime ce jeu, sérieusement. Daryl, excusez-moi, il va y avoir une sorte de dispute parentale. Mon amour, est-ce que tu veux bien venir dans les bras de ta rhum? Attends, ta rhum a roulé dans les fils. Te rends-tu compte? Viens, viens mon bébé. Oh, mon amour, viens. Viens dire bonjour à tout le monde. Viens dire à Raphaël Farmer à quel point il est vieux. Tu veux me mordre? Je les vénère. Il est trop beau. Tu sais que je t'aime. Abonnez-vous à la chaîne. Et mettez un pouce. Pour que maman puisse m'acheter de bonnes croquettes. Tiens, tu descends sur mes genoux? Qu'est-ce que t'en penses sur mes genoux? Re-David! Oh, je les vénère de ouf! Putain, j'ai eu de la chance qu'il ne m'ait pas attaqué, hein, parce que Daryl, c'est un sauvage. Désolé, mon Christophe, bonne nuit. Hein. Ah là 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 là! Il a l'air doux. Oh, il est tout doux, son poil. Il a un poil de bébé. Il a un gros, gros poil. Est-ce qu'il a fini de nous parler? Non. Faites vos preuves. Putain, c'est con, on peut pas taper ici, sinon j'aurais essayé de le tuer. On peut pas le taper. Hop, ok, bon. Roderica. Greetings, Roderica. Transmettre le message du forgeron. Oui, tu as un don, effectivement. Oh, merci, Maléthie. Master Huser in me, he does appear intimidating and holds no. I know he's trapped here at the Rakan Tower. If I do, however, I suppose I'll ask Master Hugh. Master Hugh. J'aime bien aussi la quête de Fia. On peut faire la fin de Fia. The girl. Je refuse de croire, mais si elle veut être avec toi. Elle t'a swipé à droite. Sois content. Ensuite. Greetings, great champion called I am for circumstances. Ah, j'adore sa voix super sexy. D'un suave. Great champion, would you allow me to hold you? Would you allow me to hold you? Doing so will grant me the warmth. And you, I am sure you think it vulgar where I come from. It is a sacred act. Ah, allez, traîne. Thanks. Great. Oui, c'est une panthère, Mamoudette. Je l'ai oublié tout à l'heure. C'est vrai que c'est un petit peu ta Lady Maria, en fait, Fia, en soi. J'aime bien sa quête, parce que c'est assez bizarre ce délire d'être une deathbed companion. Il faut pas lui faire deux câlins pour qu'elle nous donne le secret? Je sais plus.
Oh, je déteste les bêtes stellaires. Je crois que c'est un des pires boss du jeu pour moi. Un des pires boss du jeu. I am pleased. Would you like me to? The blessing is still. Would you like to be held? Now. C'est pas là qu'elle nous confie le secret? Je sais plus. Sam, faire la quête de Fia, en l'occurrence, l'affaire complètement implique de combattre Placidus Axe, non? Attends, c'est Placidus. Tu combats pas celui qui était le premier seigneur d'Elden, mais celui, tu sais, qui est dans le rêve de Fia. Celui qui est vers Godwin à fond de racine. C'est Placidus Axe? Ou c'est pas Placidus Axe? Comment il s'appelle? J'ai l'impression que c'est pas Placidus Axe. Non? J'ai Fortis Axe. Elvie, fabuleuse Elvie. Voilà, c'est Fortis Axe que tu fights. Placidus Axe, c'est celui qui a Faroum. Je fus éveillé par la grâce et chassé de ma patrie. C'est quoi sa patrie? Malgré tout cela, je désire conserver mon rôle de compagnon mortuaire. Ok. Oui, mais moi aussi, je les confonds aussi, Jimmy. Hein. Ils sont tous en saxe, lance-saxe, grand saxe, fortisaxe, Placidus Axe. Est-ce que vous avez déjà remarqué, je crois que c'est là, qu'ici, en fait, il y a les portraits du coup de Godfrey, mon amour de Radagon. De quelqu'un qu'on ne reconnaît pas. Alors, est-ce que ça, c'est Marika? Et j'y crois pas parce qu'il y a des portraits de Marika, en fait, comme dans la chambre de Fia. Mais ça, je sais pas qui c'est. Est-ce que ça, c'est Marika, selon vous? Sam Yeshanax. Je vais être le dragon Samax. Ah, mais Claire. Qui est cette femme pour vous? Franchement, Marika ou c'est Mikaela? Parce que je l'ai regardé l'autre jour. C'est Marika? Franchement, je sais pas si c'est Marika. Parce que Marika, elle est représentée dans la chambre. Elle a des portraits partout ici au bastion. Mais elle est comme ça. Son portrait... C'est celui-là. Qui est partout dans le bastion. Donc je suis pas sûre. C'est Billy Eilish. Baskers. So I'm a bad guy. Je connais pas les paroles. T'as vu, c'est beau, Greg, hein? Ouais, ça pourrait être Marika. C'est Daenerys. Faut avoir tué Godric, je crois, pour que ça s'ouvre. Okidoki. On a fait notre taille ici, donc on peut pas augmenter. On a dit notre arme. Donc, on monte, on continue l'aventure. Par contre, il est 23h30, on stream jusqu'à quelle heure? Parce que là, on est encore 85. Est-ce que tout le monde a 1000 pouces? Oui, à 104 pouces. Je vais supposer que vous avez tous 1000 pouces, du coup. On stream jusqu'à quelle heure? Dites-moi tout. Père Castor, raconte-nous une histoire, Père Castor. Raconte-nous deux histoires, Père Castor. Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. Lis-nous, oui, toute une histoire encore pour petit. Alors, traversons. Daenerys Targaryen. Et même que Marika, c'est la mère de Malenia. Putain, des GG dans le chat, s'il vous plaît. Parce que Letty vient de comprendre quelque chose. Du lore. Moi, je suis très très fière. Très très fière. Effectivement, Letty, Marika est la mère de Malenia, qui est son père. Au bout de 7 runs sans regarder aucune cinématique. J'ai tellement envie de te ban quand je lis ça. Mais je te garde. Moi, j'ai pas mis le pouce. Tu me donnes quoi pour mettre le pouce? Mon Kraken. Je sais pas, je te donne rien, je te menace juste que t'as plutôt intérêt de le faire. Si tu tiens à la vie, c'est tout.
Voilà. T'as cru que j'allais te faire un super chat, Raphaël Farmer ? Tu mets un pouce ? Et tu savais, Raphaël Farmer, qu'on pouvait se faire des super chats à nous-mêmes ? Salut Axel, comment ça va ? Ça fait un moment que je t'ai pas vu. Bienvenue, bienvenue. Parce que j'ai essayé, et tu sauras, Raphaël Farmer, on peut se super chatter. C'est assez fou. Mais c'est possible. C'est possible. Voilà. Radagon, je crois. Pas taper, pas taper. Oui, c'est Radagon. Bravo. Bravo, Letty. Comme quoi. Comme quoi tu apprends chaque jour. Chaque jour, tu grandis dans tes connaissances du lore. Ah ouais, carrément. Ouais, je te jure. Les révisions, Sam, c'est bientôt les examens. Ah, on t'encourage tous. J'espère que tout ira bien. J'espère que tout ira bien. Donc. En plus, je me suis fait friendzone. Oh non, raconte. T'as du coup... Enfin, j'allais dire dévoiler tes sentiments. Pas dévoiler, c'est pas le mot. T'as... révélé tes sentiments à la personne qui te plaît. Et ça s'est pas passé comme prévu. 110e like. Allez! Après tout, t'es déjà désavantagé d'aimer Arthur Morgan. I should not shoot the ambulance. I'm gonna shoot you in the balls, Raphaël Farmer, if you keep going. Maybe you should go to bed. Isn't it 5 a.m. in Australia? Ah là 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 là, c'est Raphaël Farmer. Merci pour ton like, Rafou. Merci pour ton like. Tac. Le 110e en plus, c'est beau. Qui aura le 111e? Le 111e, il aura beaucoup de chance parce que du coup, c'est un chiffre. C'est pas un chiffre majeur, je sais plus comment ça s'appelle en numérologie. Le 111. Ah, on est à 115. Merci beaucoup à tous. Merci pour tous ceux qui ont mis les pouces. Vous êtes des amours. Mais pas Raphaël Farmer, parce qu'il s'est senti obligé. Qui a joué à Dragon Dogma 2 dans le chat? Ou bien Sam qui a joué? Jimmy, Raphaël Farmer justement vient de faire une vidéo dessus, ça te dit? Moi j'y ai pas joué. Je ne pense pas l'acheter non plus. En tout cas pas maintenant, tu vois, si éventuellement un jour il y a une promo. Pourquoi pas? Gali, tu as le droit de me taper, j'avais pas mis mon pouce. Oh, Letty, double trahison, Madame Laetitia là. Double trahison, madame. Die die against the mob. J'ai vu la vidéo de Raphaël, elle est top. Au top, RS. J'attends le patch de Capcom pour qu'ils enlèvent les transactions. Désolée, ça m'a fait vraiment rire cette histoire. Ça m'a amusé. Alors, monsieur. Ça tape de loin ou pas? Peut-être moins, peut-être un petit moins quand même. Ah oui, ça tape de loin. Putain, ça l'a pas tué, j'aurais survécu à un PV. Quel connard! Je vous jure, j'ai du mal avec la magie. Hein. C'est plus facile, j'ai l'impression au corps à corps quand même. Dit la meuf qui va crever sous vos yeux. Mais j'ai l'impression qu'au corps à corps, quoi, c'est... on sait ce qu'on fait. J'ai plus d'endu. Couiche, cantanche. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais non, mais même pas en plus, Letty, d'habitude. Non, mais faut que je tue au corps à corps. Le build magie, j'ai la fronde aussi. Tu vois, je pense pas utiliser la magie. Magie, Max et compagnie. Alors, on y retourne. On va le fronder. Putain, non, je suis pas sur mon truc. Non, déjà, c'est quoi? La fronde, c'est magique, ça ne bouge jamais son dos.
ça tous les coups. Cher, comme on dit chez moi. Voilà. Je sais. Letty, tu te laisses aller. C'est plus que ça, les bleus. Ah de... Oui, tu as raison d'être choquée, Claire, je suis d'accord. 119 pouces, bizarre, il a fallu que je réactualise la vidéo, j'ai débloqué sur 19. Ah, MDR, Charodo. Et dire qu'elle veut se mesurer à Mesmer. Mesmer, je voudrais l'épouser, en fait. Mesmer. Un grand roux comme ça, avec des cheveux. On n'irait pas trop bien ensemble. Il a vraiment une tête, lui. Attendez, je vais essayer de vous montrer sa tête au max. Elle est horrible. Attendez, comment est-ce que je peux tourner la caméra? Voilà. Ne me remerciez pas. Ne me remerciez pas pour ce zoom. Ah! You're not one of them. Well. What a relief. Oh, goodness me. I. Voilà. I'm Albus. An Albinoric. As you can see, we're finished. Il est horrible. Ah oui, je vais l'épouser, Raphaël. Je vais m'appeler Sam Mesmer. No one that remains has their wits about them. But you must keep it out of... Ouais! Ça, c'est pour aller voir Melinia. Then please give it to her. Ouais! Yes. A chosen land away. The medallion is its only a quaint treasure for we who cannot make the journey. Ne me remerciez pas. But for dear Latena, it is needed. Elle est où, l'Athéna? On va aller la voir. Tiens, on va aller chercher l'Athéna. My legs will soon fade, alas. Bah meurs, vas-y. Et dans un dernier râle, le dernier des albinoriques mourut. Cette fin théâtrale. Voilà. Alors. This is here. C'était trop près. Sam Yashamer. Sam la demi-dieu. On va prendre Sam la demi-dieu, je préfère. À propos de vieilles séries, que penses-tu du gâchis de la prochaine série City Hunter qui va reprendre tous les anciens non-VF, que ce soit pour ses sous-titres que son doublage? Je savais pas, Jarodo, tu me l'apprends. D'accord. Mesmer va pécho, ça la calmera direct. No more DLC. Can you shut the fuck up, Raphaël Farmer? Quelle grognasse. Mais toi, quelle grognasse, c'est. Il vient sur ma chaîne pour m'insulter. Est-ce que vous vous rendez compte, messieurs, dames? Est-ce que vous vous rendez compte? Genre, il endort une salle entière en claquant des doigts. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, j'ai tellement hâte de voir Mesmer. Vraiment, ça va être un des plus beaux cadeaux de ce DLC, c'est de le rencontrer. Avec ses trois serpents. Et ceux qui me disent qu'il n'y en a que deux, c'est que vous n'avez pas pensé au troisième. Gros clin d'œil. Je me fais rire moi-même. En même temps, je sais pas pourquoi je cours après alors que j'en ai rien à foutre d'une bouche. Voilà. Alors, ici, il y a un mec à tuer. Malheureusement, c'est pas Raphaël Farmer. Salut, Choukri. C'est trop mignon, Choukri. Regardez, c'est un tueur de réprouvés là-bas. Ils ont très très peur de lui. Merde! J'étais pas sur mon arme. Je me suis fait comme une débutante. Non mais le yinche. Putain mais d'où je me cogne? Attendez jeune homme. Mourez. Le tueur de réprouvés m'a tué. Déjà ici, il n'y a même pas de réprouvés dans cette région. Je veux dire, il s'est perdu. Est-ce que c'est un beau jeu, Sam? Elden Ring? Choukri, c'est le meilleur jeu de l'univers. Si tu en doutais,
laisse-moi te le dire, tu es en train de regarder l'un des plus beaux jeux de l'univers. Un jeu d'une perfection qu'il est dur de tenir, on va pas se mentir. C'est dur de s'en remettre, une fois que t'as joué à ça, très dur de jouer à autre chose, très très dur. Sauf pour les mauvais joueurs comme Raphaël Farmer, ils se lancent pas, tu vois, sur ce genre de jeu, ils essayent mais ils meurent assez rapidement. Mais sinon, it's a killer game. Quelque chose, c'est qu'il y a le chien là qui va venir m'attaquer. Oh putain, il y a deux chiens. Et avec Raphaël Farmer dans le chat, ça en fait trois. Ah putain, j'ai eu peur. J'ai eu tellement peur. Pour le prochain From, je ressens un énorme vide. Moi, tant qu'il y a Elden Ring, ça va. Talisman à nœud du creuset. Le creuset. On aime le creuset. Ah ! Ils sont chiants. Il n'y avait pas un truc ici à récupérer ? Ça sent la mort, ça. Ça sent la mort ! Ah ! Bonne nuit, ma petite Claire. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Bonne nuit, mon Scredi. Bonne nuit. Mon Jarodo, oui, Nicky Larson dans City Hunter, alors que les vrais fans veulent du Ryo Saeba, Kaori et pas Laura. Ah, mais c'est con. C'est con. Toi aussi, tu vas te coucher, Maletti. Très bonne nuit. Est-ce que vous voulez qu'on arrête le live? Parce qu'il est quand même 23h30. Passé, là, les copains. On est jeune, mais plus vraiment. Raphaël Farmer a 40 ans, n'oubliez pas. Ouais, un objet. Ouais. Oui, en plus, un arc. Un arc runique. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit tous bonne nuit, du coup? J'ai toujours du mal à arrêter le live quand je vois que vous êtes nombreux avec moi. Du coup, vous me donnez envie de continuer, mais en vrai, c'est vrai qu'on taffe. Traite en plus ce terrain comme terrain de fight. Ok, c'est bon, donc on a fait ce qu'on avait à faire ici, on peut quitter. C'est quoi ça derrière? Il faut, moi je dis, ou alors on va juste c'est moi qui suis jeune, pas toi Sam. Axel, t'es venu avec de la violence directe, quoi. D'où je suis pas jeune, tu sais, j'ai que 39 ans. Trois quarts. Pas gentil. C'était pas gentil de dire ça. Je dis qu'on va chercher l'Athéna et qu'on arrête le live. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes team, on va chercher l'Athéna? Qu'en dites-vous? Je crois que là... Je me demande où est-ce qu'elle est, la grotte de l'Athéna. Elle est pas là. Je sais plus, elle est dans ces environs-là, mais où exactement? I don't remember. Bonne nuit Sandy, bonne nuit. Est-ce que tout le monde va se coucher là en fait? Sam, c'est toi qui ramènera face à son EHPAD? C'est moche d'attaquer les gens sur leur âge. C'est très moche Thierry de faire ça. Bientôt la quarantaine, la yesh. The old. Pas encore monsieur. Bonne nuit Titi, bonne nuit. Est-ce que tout le monde va se coucher? Parce que moi, ça me met toujours que vous êtes 90 là sur le live. Ça se trouve, on est 10 et je le vois pas. Manifestez-vous, les gens qui restent, parce que j'ai l'impression que tout le monde est parti. Et si tout le monde est parti, on va tous partir du coup.
Elle est où cette grotte? Est-ce qu'elle est là où je l'ai indiqué? Je suis plus sûre de moi. La granny mamie. On a 18 ans d'écart, Sam. Putain. Comment ça se fait du coup que t'es abonné à quelqu'un de plus âgé que toi? Est-ce que ça te... C'est les personnalités qui te plaisent ou est-ce que c'est parce que c'est les jeux qui sont streamés? C'est quoi? Dis-nous tout. Toujours là, mon Seven? Toujours au rendez-vous. Toujours au rendez-vous. Il y a des gens sur qui on peut compter. Et puis il y a des gens comme Letty qui vont dormir. C'est méchant. Pour moi, il est juste 18h30. T'es où, Stéphane? T'es où? Rappelle-moi. Rappelle-moi donc où est-ce que tu te caches. Où est-ce qu'elle est, la grotte, des copains? Quelqu'un se rappelle où est la grotte? De l'Athéna? Y a pas un putain de dragon dogma à tuer avant de la sauver, elle? Sérieusement? Y'a pas un dragon? Parce que c'est mort, par contre, c'est un dragon. Je veux bien être motivée dans la vie, mais pas pour un dragon... dogma. C'est pas dragon dogma, comment il s'appelle? Un dragon du magma, putain. J'ai été trop influencée. Non, on est trop loin, là. Ce me semble. Non. Par contre, je suis attaquée, je peux pas ouvrir la carte. Toujours la même si je commence un petit peu à fatiguer, mais moi aussi, hein. De toute façon, je taffe demain, donc on va pas tarder, Malenia. Je voudrais juste trouver la grotte, si vous savez où elle est. Non, je la falaise sud. Oh, Urg. C'est me faire sacrément confiance que de dire ça. Comme si je savais où était la falaise sud. Putain, je peux pas ouvrir la carte, là. Laissez-moi ouvrir la carte. Ça me repart de ton dernier site de grâce et go plein sud. Alors, attendez, je peux pas ouvrir. Alors, voilà. Donc, de mon dernier site de grâce. Donc, celui-là. Et go plein sud. Plein sud. Vous voulez que j'aille où? Plein sud, comme ça? Là? Ça voudrait dire qu'elle est là? C'est ça que vous voulez dire? J'espère que... Oui, j'ai confondu les dragons, Jamie. Ne te moque pas. Moi, j'aime pas les From, j'aime Sam. Enfin, quelqu'un de gentil sur ce live. Merci, RS, d'être venu. Parce que, dis donc, j'ai pas reçu que de l'amour ce soir. Hein. C'est quoi ce truc? Oh, putain, j'ai eu trop peur, j'ai cru qu'il y avait un nouveau mob. Alors, attendez, plein sud, c'était de l'autre côté. J'espère que c'est là, hein. J'espère que je me suis pas trompée. Hein. La falaise juste sous le site de grâce. La falaise juste sous le site de grâce. Écoute, je vais par là. Sam, une fois que tu auras 40 ans, je vais t'appeler Mamie Sam. Mais sauf que je vais te ban avant. Et tu n'auras jamais l'occasion de le faire, cher Alex. Cher Axel. Ça n'arrivera pas. Tu n'auras pas ce privilège. Je bannerai tous les gens qui feront référence à mon âge. Passé le 6 mai. Alors. Attendez, mais elle est où, l'Athéna? En fait, on va passer plus de temps en fait à chercher l'Athéna qu'à faire sa truc. Plein sud, mais plein sud. Comment ça se fait qu'il n'y a pas l'indication en plus qu'il y a une grotte? Du coup, je ne pourrais pas te souhaiter joyeux anniversaire. Non, je te laisserai me souhaiter joyeux anniversaire. Je te bloque juste après. Je suis passée devant la grotte, Romain? Je recule. Sinon, j'ouvre la map et vous montrer où est-ce qu'elle est. Ah! C'est un trou? C'est là? C'est celle-ci? Moi, je crois que oui. Oui. Attention, il n'y en a qu'une hein, dans ces environs-là. C'est celle-là. Toute personne disant qu'à 40 ans, on est vieux sera ban, effectivement. Voilà, Yuchi a parlé. Silencieux, mais concentré à te voir jouer. Merci, mon Zorkan. Merci beaucoup. On fait ça, puis après on stoppe le live, parce que ça fait quand même déjà 3h40 de live, mes copains. C'est pas mal. Merci, mon Rafou, d'être passé. Moi, je te fais un gros bisou. Merci infiniment. Prends soin de toi et très très bonne journée in Australia. Oh là 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 là. Est-ce qu'on peut monter le niveau? Oui, on peut. Cool. On va prendre de l'esprit.
Raphaël Farmer devrait aussi prendre de l'esprit, mais bon, c'est croire au miracle que de dire ça. Putain! Ah, j'aurais pas dû. T'aurais pas dû faire ça. Voilà. Elle est crevée. Bonne journée, Cloud Farmer, pas mal. On peut pas être déconcentré une seconde et demie dans le jeu. Merde, j'en ai plus deux. Je me suis fait tuer. Et les vieux d'aujourd'hui sont les sages de demain. Pas tous, hein. Je connais des gens de 40 ans qui sont cons. Peut-être que j'en fais partie. De la lance, yes. De la mousse des cavernes bourgeonnantes. Voilà. Tac. J'ai reculé. Est-ce que c'était un trou sans fond ou un trou avec un fond? Je crois qu'il n'y a pas d'issue. C'était juste pour venir récupérer le talisman. So we can go back. Alors, Sam n'est pas sage, mais bon, elle n'a pas encore 40 ans. Bonne nuit, mon David. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci infiniment. Passe une très bonne nuit. Et c'est la mort qui t'a assassiné. Oh putain. J'ai cru qu'on allait y passer. Pas se mentir, j'ai vu la mort de très près. Je sais plus quel est le boss de cet endroit. J'espère vraiment que c'est pas un dragon du magma, parce que... Souvent, il y en a un, voilà, il y en a 20. Voilà. On le sait. Il y en a encore un. Cristalline, elle est rare en plus. C'est comme l'eau. Hop, alors. Oh putain, qu'est-ce que je viens de faire? Pourquoi je suis allée dans le lit à vipère, il dormait? Je suis con, moi. Non, bouge! Je vais prendre la glace. Oh! Ce saut qu'il a tapé! Où est l'Athéna? S'il vous plaît. Par contre, si on arrive à un boss... Bordel, fallait descendre? Ah oui, le boss est par là. Putain, j'ai plus de chial, ça craint de ouf. Mais oui, t'es au Québec, Steph! Putain, c'est génial, ça. Prends le cadeau que la vie nous fait. Alors, est-ce qu'il fait encore froid chez vous ou pas? Le dragon du dogma, t'es méchant. Un cristallien seul? Ok, un cristallien, ça peut gérer si je ne me fais pas toucher. Ah putain, merde, je déteste bloquer sur des éléments du décor. Voilà, alors. Putain, non, un chevalier limier, c'est mort! C'est mort, alors là, pour esquiver... Je suis trop nul en esquive. Il a le creux du nez. Oh, je peux une chale. Trop tard. Merde, c'est bon. Bonne nuit, Axel. Dors bien. Oh non, un chevalier. Il a neigé. Oh putain, il a neigé.
C'est pas possible. C'est pas possible, c'est quoi ce pays? Est-ce qu'on fonce? Il faut juste descendre tout en bas du coup, on a compris le chemin. Genre je dis ça comme si c'était... Ah, j'ai failli mourir, je sais pas si vous l'avez vu. Moi je l'ai vu. Je l'ai vu de très près. On descend tout en bas. Tout en bas, on esquive tout le monde pour garder nos quatre fioles. Attendez, je vais sauter en face. J'espère qu'on peut. Ça va. Oh bah tiens. Du loot. Voilà. The boss. Est-ce que j'aurais dû recharger la vie ou pas? Je sais pas. Trop tard. Attends, on va prendre quand même la petite chale. Hein. Oh, attends, mes runes. L'argent d'abord. Monsieur, vous êtes dangereux. Et putain, je me souviens pas aussi. Le printemps commence à s'installer. T'as chez nous, non? Enfin, il faisait super bon la semaine dernière. Il refait froid à nouveau, quoi. Re Daryl, tu nous avais manqué. Mon amour, est-ce que tu peux ne pas te mettre juste devant l'écran de maman? Maman essaye de jouer. Maman essaye de gagner un combat. Assez difficile, en l'occurrence. Enfin, c'est pas qu'il est assez difficile, c'est que maman est trop greedy et qu'elle met des coups tout le temps partout. Là où elle ne devrait pas. Possible d'arriver en face? Ouais. Oh! Bien, ok. Bon, déjà, on va arriver avec toute notre vie. C'est déjà bien. Par contre, j'ai vraiment Daryl devant l'écran. Trop drôle, mon fils, comment tu me regardes. Tu me tues de rire. Attends, mon argent est là-bas. Attends, on va commencer le combat, mais... Je vois la moitié de l'écran. Là. Adopter des chats, qui disait. Yes. Oh, tu m'as porté chance, mon chat. Oh, je t'aime tellement. Oh, je t'aime tellement. Oui. Oui, maman t'aime. Merci pour les GG. Médaillon d'ambre cérulaire. Oh, je crois que ça rajoute des PC, ça, ou un truc comme ça. Ok, alors, où est-ce qu'elle est, Miss... Miss Lathena. C'est par là ou c'est pas par là? Si, c'est par là. Voilà. Yay, voilà. Comme ça, on te ramènera à ta sœur à la cime des géants. Voilà, merci pour les GG. Let's go. Il a fait moins 20 un matin de la semaine passée. Je te jure, je sais pas comment on fait pour survivre à des températures comme ça. Darlie, je vois pas l'écran. Montrez le médaillon secret. Est-ce là la vérité? Le vieil Albus vous a donc confié son médaillon? Dans ce cas, je me dois de croire qu'il s'agissait de sa dernière volonté. Reprenons depuis le début, je m'appelle Lathena. Je suis Daryl, une binorique, tout comme le vieil Albus. Mes plus sincères excuses pour vous avoir parlé sur ce ton. Je m'attendais au pire puisque vous êtes aussi un sans éclat comme cette brute qui entend tout. M'amour, tu me déranges de ouf. Il faut lui reparler encore, non? Jusqu'à ce qu'elle devienne une... Je dois retourner chez moi. Un devoir m'incombe. Qu'est-ce qu'il y a, mon Daryl? Vous le voyez pas, mais... Ah, ouais, il m'a attrapé le bras. Aïe, m'amour. Ta griffe, elle s'est coincée dans mon pull, mon canard. Aïe. Pourquoi tu mords? Je t'ai rien fait. Merci, modèle.
On raconte que l'autre moitié du médaillon repose par-delà les terres interdites. On sait très bien que c'est le commandant Neil qui les a. Non mais hey, le commandant Neil a seul castel, Exer Villa First Strike. C'est un truc de ouf. C'est marrant qu'on nous parle de cette quête si tôt dans l'aventure alors que la cime des gens est si loin. Oh, par contre, son pauvre loup. Oh, puis il se met à pleuvoir en plus. C'est parfaitement poétique. C'est le last boss du live. Cool, je viendrai me battre à vos côtés. Je l'ai jamais invoquée, l'Athéna, en combat. Quelqu'un l'a déjà invoquée? Ou est-ce qu'elle apparaît toute seule dans certains fights? Je ne saurais le dire. Voilà, les copains. En tout cas, c'est cool. On a bien avancé, parce qu'on a quasi fait toute la Nécrolimbe. Et on a démarré, du coup, sur l'Urnia. Bon, il faudra aller tuer Godric, hein, bien évidemment. Cela va de soi. Mais c'était un excellent live. J'espère que vous avez passé un bon moment. Touk. C'était très très cool. Bye Mr. Steven, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup. On va éteindre la PS5 et je vais passer vous reprendre. Oh regardez, j'en suis à 618 heures de jeu sur Elden Ring. 618, qu'est-ce que c'est en vrai? Tac, voilà. Merci ma petite Elvie, merci à vous tous d'être restés aussi tard, parce que là ça y est, il va être minuit, ça fait 4 heures qu'on stream. Oh, on s'est donné à fond, hein. On s'est donné à fond. J'espère que vous allez tous passer une bonne soirée, que vous allez tous passer une très bonne nuit. Merci du fond du cœur d'avoir été là. Mon petit Mister Steven, mon petit Greg, ma petite Modette, Irbis, ma petite Elvie d'amour, Mouyouyou, Thierry, mon Seven, mon Jimmy, mon Stéphane, j'ai fait Elden Ring grâce à Exer. Ah bah, il nous a tous sauvés. Mon Fléchette, GG ma Sam, très bonne game, j'avais un œil dessus, merci beaucoup. Merci, j'espère que c'était cool le live de Daddy. Merci Geoffroy, merci à toi, merci Karen, coucou. 4 mois de travail à temps plein, 618. Arrête, t'es sérieuse? Mais non, fallait pas le compter comme ça. Bonne nuit à tous, bonne nuit Malenia, merci. Merci beaucoup pour ta présence, merci d'avoir été là. Bonne nuit mon petit Zorkan, bonne nuit. Oui, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste pour aider l'algorithme, même en mettant, il me fait trop rire ce Crédit Krugaï, mais algo comme commentaire, parce que ça aide la chaîne. Merci mon petit Ersin d'avoir été là, merci mon petit URG, merci infiniment. Merci mon RS et grosse pensée pour toi, je t'envoie vraiment beaucoup d'amour. Avec tout ce que t'as vécu, vraiment, t'es hyper courageux. Bonne nuit mon Romain, bonne nuit à tous, je vous embrasse très fort, passez une très très bonne nuit, reposez-vous bien, et puis ben, moi je vais aller nourrir les deux chats là, au lit et demain au travail, parce qu'on continue, et bien évidemment les membres soutiens, jeudi soir on fait un live entre nous. Donc voilà, et les copains, pour le prochain live de la chaîne, si j'ai pas de date, ce sera samedi soir. Voilà. Des gros bisous, je vous adore. Très très bonne nuit à tous. Bye. Mouah.